Deuxième session, vous êtes en Bolivie, nous sommes en 1933, c'est la guerre des Chacos, du Grand Chacos. Qui veut faire un résumé? Spécialiste du résumé. Au hasard, allez, je jette sous le pont Thomas, alias Alio. Putain, c'est pas vrai. Ah bah si. On travaille pour une espèce d'OMS qui s'appelle Caduceus. Oui. On escorte du matériel pour les infirmiers, les docteurs dans une zone de guerre en Bolivie. Ok. Notre chef d'expédition, le sieur Ursini, nous attend pas, mais c'est lui qui est le chef de l'expédition. D'accord. Il lui est arrivé un malheur, monsieur Ursini. C'est ça, en fait, ça a débuté très rapidement puisqu'on était en chemin pour le camp de base où on s'est fait tirer dessus par des Boliviens. Enfin, on suppose, d'après l'uniforme militaire, on a supposé que c'était effectivement des militaires boliviens. Donc, après ce petit intermède, nous avons réussi à arriver au camp de base, où là, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait une vingtaine de militaires boliviens qui entouraient le campement. Notre pauvre... qui c'est qui est mort? C'est Ursini hein, qui est mort. Ursini est mort. Oui, ouais, headshot même. Ouais, ouais, c'est complètement ouvert. Un prénom en pleine gueule. Ouais. On a trouvé des lettres sur lui, etc. Qui parlaient de momies, de temples, un truc bizarre. Donc très rapidement, on est arrivé sur le camp. Donc le matériel, tout ça, c'était pour le docteur Gomez, je crois. Hein. C'était pour l'ensemble du campement. C'était pour l'ensemble du campement, c'est ça. Ouais. C'est pour l'ensemble du campement, parce qu'ils sont en zone de guerre, donc, ouais. Donc voilà. Mais, c'est pour les populations locales. Mais le médecin, on va dire, en chef, c'est le docteur Gomez, si je ne me suis pas mélangé. C'est ça. Ouais, c'est ça. Par contre, les lettres étaient signées Shapiro. Alors Shapiro, c'est le... C'est le votre... responsable de Caduceus, c'est un responsable d'équipe, en fait. C'est un des chefs d'équipe, en fait. Alors, ils ont bousillé le matériel radio, les Boliviens, du campement, mais on a quand même nos propres radios. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, alors les lettres étaient effectivement signées Shapiro. Certaines personnes se sont énervées contre le docteur Gomez parce que c'est quoi ça, danger niveau 3, gardien du temple, ramener la momie, etc. dont parlait la lettre. Apparemment, monsieur Gomez n'était pas du tout au courant de ça. Et vous avez remarqué quelque chose d'extrêmement bizarre sur les Boliviens, les militaires boliviens, effectivement. Ouais. Comme s'ils avaient des masques. Comme alors exactement. Et d'ailleurs, j'en ai sorti. Non, j'en en ai sorti. J'ai cru en fait, mais non. Donc en fait, effectivement, vous avez des. Ils ont des espèces de. Ce que vous avez vu, c'est vous avez l'impression qu'ils ont une espèce de peau sur le visage. C'est ça, une seconde peau. Un peu tendu comme un espèce de bas là dans les. Dans les braquages. Ouais. Donc ça, voilà, vous avez également trouvé en fouillant leurs affaires cette carte, c'est ça. Qui a l'air d'être une espèce de carte avec des secteurs, etc., dans une langue que vous ne comprenez pas. J'ajoute à ça que vous avez donc, a priori, vous devez trouver un temple ou quelque chose. Vous savez également par les autochtones qui sont une espèce de divinité qu'ils vénèrent. L'esprit qui dort. L'esprit qui dort, et qu'apparemment, l'esprit qui dort, en fait, serait du côté de l'autre côté de la rivière, puisque c'était là que vous vous rendiez. Oui. Voilà. Mm. Ok. Mais il y avait beaucoup plus de choses sur l'esprit qui dort, parce que moi, je m'étais renseigné. Et il y avait cinq piliers du sommeil, des pierres qui faisaient offrande, en fait, et à celle qui dort, envoyée sur terre pour créer ce temple. Et le jour où elle se réveillera, le temple. Ça va chier. Le jour où elle se réveillera, j'ai pas marqué ça va chier, mais c'est pas loin. Et le temple est de l'autre côté de la rivière, effectivement. Voilà. Oui. Donc vous avez pris vos petites affaires. Que l'un d'entre vous peut me faire quand même un jet d'idées. Parce que vous partez avec. C'est une question, puisque vous l'avez fait, mais on l'a pas fait. J'ai préparé les sacs. Vous partez là-bas avec. Mais t'as mis quoi dans les sacs, c'est ça ma question. J'ai mis des rations de survie, des lampes torches, de quoi faire des affaires de rechange au cas où, des choses comme ça quoi pour tout le monde. Est-ce que tu prends contre les moustiques genre, et ouais, ouais, les trucs contre les moustiques, c'est important. Attendez, je suis désolé, c'est entre les allergies, c'est atroce. Hein, ouais, bah vas-y, t'es nu.
Ah, je sais plus ce que j'avais préparé ça quand on si, bombe si, en hauteur que je suis, quoi. Et ouais, des trucs de survie, des paires de jumelles qu'on aurait pu trouver. Donc après sept éternuements à la suite. Oh la vache. Ah non, c'est atroce, hein, c'est la tôle. Là. Ma question, c'est est-ce que vous prenez autre chose que les trucs de base? En gros, est-ce que vous prenez des explosifs Si on a la possibilité d'en prendre, vu qu'il n'y a plus personne dans le camp, ouais, on va. Ouais. On va tenter les explosifs. Moi, ça me tente bien. Ouais, ok. Tu peux dû à s'en servir, ça. Ah ouais, t'as qui c'est le responsable de l'intendance de tout ce groupe? Responsable de l'intendance? Ben, c'est moi, personnellement, je me suis occupé uniquement de. De quoi, en fait, bandage, médecine, truc. Ouais. Voilà, moi, le reste, les explosifs et tout, je m'en occupe. Bah, moi, je me suis occupé d'accord. De ça. Je me suis occupé de faire okay. Chacun les sacs et tout. Et, D'accord, donc vous avez des explosifs. Ouais. D'accord, ok, ça marche. C'est tout fond de bâton de dynamite, hein, quand même. Hein. Ouais, une pelle, tu sais, une pelle pliable, là, au cas où. Des jumelles, enfin, tout ces. Des jumelles. D'accord, d'accord. Au cas où, on fera. Un jet de chance. Voilà, exactement. On fera à la one again. Et en fonction du jet de chance, vous avez ou vous avez pas. Ça n'inclut pas le McDonald's et le Happy Meal froid. Hein, je vais le rajouter. Ça fait 4 des 10, un bâton de dynamite, c'est bien. Ah ouais, ça fait des trous, ouais. Ça fait des trous. Un canon de campagne, non? Au canon de campagne, c'est un peu plus gros, ça, du 8-10 ce goût-là. Mais non, okay, mais c'est un gag récurrent, c'est pour ça. C'est un truc récurrent, ouais. Donc vous aviez traversé le fameux. Vous aviez traversé la rivière, que je repartage de nouveau. Et vous étiez arrivé de l'autre côté et vous aviez trouvé, et on s'est arrêté là, après un interlude musical avec un singe. Oui, il y avait un truc avec un singe. Ah oui, singe. Le singe. Vous avez tiré dessus avec un espèce de... Qui... truc c'est... alien. C'est hyper important parce qu'il vient de faire du bruit aussi. Il vient de faire du bruit, effectivement, ouais. Donc il pourrait peut-être ramener les Boliviens. C'est ça. Surtout que j'ai tiré dans sa tête, hein, donc... Ouais, faut que t'aies tiré dans sa tête ou tiré autre chose. Et t'avais fait effectivement. Hein. Et donc vous arriviez devant un espèce d'endroit qui avait été manifestement explosé par un obus, par un tir de mortier, vous savez pas trop. Donc il y a des éclats de pierre. Sur la pierre de mémoire, vous aviez vu, il y a des signes et des symboles et des choses. Et surtout, vous avez un espèce de trou béant devant vous et on s'en était arrêté là. Du coup, nous reprenons le flambeau. Sauf si vous avez des questions par rapport à cette présentation majestueuse et magistrale. Est-ce que... Non, mais c'était un trou béant qui apparemment avait explosé une statue. Il y avait une statue dessous, non? Alors c'est... Non, c'était pas une statue. En fait, il y avait une dalle. Ah, une dalle. Qui recouvrait le trou, en fait. Moi, j'ai une question. On a mis combien de temps pour arriver là à peu près et quelle heure il est? Histoire de se recaler. Alors, vous êtes parti après que les... Hein, les Boliviens sont partis tôt. Vous avez fait les pactages, les machins. Il doit être genre 14h. 15h, on va dire. Par contre, c'est vous qui gardez les dates en tête. Hein. Bah, moi, je mets le 16 mars, puisqu'on est arrivé le 15. Ouais, ça, on est le 16 mars. Donc, donc vous arrivez devant un truc. Il y a quand même un truc. Alexander, toi, qui est quand même un petit peu tatillon dans ta petite tête, tu peux faire un petit jet d'idées. Je préfère quand ce soit un joueur qui le fasse que tous. Il y a un truc qui te fait tiquer quand même, c'est que tu te disais dans les courriers que vous aviez vus. A priori, il parlait d'un gardien de temple aussi. Ah, j'en ai pas souvenir en plus. Eh ben moi je te le dis, c'est pour ça que je te fais faire un jet d'idée. Bah ouais. Dans la lettre que vous aviez su, qui était le briefing de Shapiro pour Ursini, il parlait apparemment d'un gardien de temple qui serait la menace dans la région. Si, moi je me souviens de ça. Tu veux dire la momie, non? Ah, c'est peut-être la momie. On l'avait relié à la momie. On l'avait relié à la religion juive, en fait, avec le golem. À la religion quoi? Juive. Ah, un genre un golem. Oui, un golem. Ah oui, d'accord. Oui, on s'en souvient, enfin, au perso. Donc du coup, vous avez cette espèce de trou qui est devant vous, il est 10 mètres de... Et ça a l'air relativement énorme. Hein. Vous savez pas trop ce qu'il y a dedans, ça sent pas très bon, ça sent comme si ça avait été creusé à l'intérieur. Vous sentez l'odeur de l'intérieur, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans.
Est-ce qu'aux alentours, il y a... est-ce qu'aux alentours, il y a des signes d'activité récente demande... Il va falloir le faire un jour. Demande mademoiselle Torres. Est-ce qu'il y a des signes d'activité? Fais un jet de trouver objet caché ou éventuellement de navigation. De navigate. Ouais, bah, ça sera toc. Hein, tu feras un jet de toc. Toc, toc, toc. Et ben voilà. Et ben c'est raté. Des éons que personne n'est passé par ici. C'est ça, des éternités. Après, t'as jeté un œil, hein, t'as pas cherché particulièrement. Ah oui, oui, non, mais c'est juste pour. Tu regardes ici. Pas... Moi, je suis à mes aguets parce que j'ai vraiment pas envie de les recroiser, quoi. Les, Ah non, les Boliviens, ils étaient tenaces. Hein. Le Bolivien. C'est ça, le Bolivien comme ça. Le Bolivien peut être. Il s'accroche vite. Ah, il s'accroche, hein, puis on les lâche pas après. Hein. Allez, je suis sympa. Qui c'est qui a monde naturel? Monde naturel. Qui a le plus score en monde naturel? Je pense que c'est le docteur. Je crois que j'en avais mis un. Toi, t'as un score de porc en monde naturel. Ah oui, un petit 40, wesh. Eh ben, vas-y. Puis j'ai refait des trucs sur ton perso aussi. Je sais pas si tu trifouilles des trucs. Voilà. Ouais, donc... Allez, mon Jean-Fred. 66. Ouais, bah, de la bouse. Ok. Ce trou, vous faites quoi? Vous tournez autour, vous l'évitez, vous passez à côté, vous partez ailleurs, qu'est-ce que vous faites? On rebouche. Et déjà, on va alors peut-être s'abrocher. Alors t'aimerais bien reboucher? Pardon, vas-y. Bah, tu te dis que de loin, tu es en train de regarder, ça a l'air d'être extrêmement... ça a l'air d'être relativement large. Et du coup, comme c'est relativement large, tu vois pas avec quoi tu vas vraiment pouvoir le reboucher. Ou alors il faudrait faire un espèce de truc avec de la tente ou un truc dans ce goût là quoi. Mais écoute, moi, bricolage, je vais m'approcher déjà pour voir ce qui est. Bah voilà quand même. Ce qu'on voit au fond. Ouais, enfin... Si on est clair. Arrivé à un moment, messieurs, faut savoir. Hein, on joue pas le pain, on n'est pas là pour beurrer les tartines. Alors, beurrer les sardines. Tu t'approches du trou qui s'avère en fait être abyssal de profondeur. T'as jamais vu un truc aussi profond. T'as l'impression, tu vois même pas en fait. T'es dans le noir absolu. Il y a la lumière du soleil ou la lumière qui en plus est un peu diffuse avec la jungle et tout ça. Faut imaginer que l'endroit que tu regardes. Il y a eu de la végétation qui a poussé dessus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des branches qui sont tombées dedans. Enfin, tu vois, c'est pas un truc clean, quoi. Okay. Et les branches et les machins sont pas tombés dedans ou sont pas machins parce que il y a eu une explosion. Non, c'est parce que le truc est là depuis... D'accord. Je sais pas combien de temps, quoi. C'est abrupt ou il y a des escaliers? Tu vois des escaliers qui descendent et qui a l'air de descendre en cylindre. À l'intérieur, jusqu'à évidemment un moment, t'es dans le noir en fait. Oui, d'accord. Si tu venais le prendre. Et ça a l'air relativement vertigineux et casse-gueule. C'est pas un puits quoi, c'est un abysse. Hein. Il n'y a aucun moyen pour descendre dedans en fait. Si. Et tu peux alors, tu peux sauter. Oui. Ou tu prends les escaliers. Tu prends les escaliers. Une de ces deux propositions est un piège. Bon, ben messieurs, je crois que nous sommes venus pour l'aventure, n'est-ce pas? Bon, laissez-moi, je passe devant. Allez, passe devant, c'est une bonne idée, tiens. Qui c'est qui passe devant? Bah, l'aventurier. C'est moi qui passe devant. Exactement. Voilà. Mais pas moi qui lui. J'avais pas oublié. C'est bien, non, mais il gagne des points rien que pour ça. Je suis plus sympa avec lui pour ça. Ok, donc tu commences à descendre, tu te rends compte, effectivement, il va falloir allumer une lampe, parce que c'est atroce, tu ne vois quasiment rien, en fait. À un moment, vous êtes dans les ténèbres. Par contre, on s'assure, c'est large comment pour descendre l'escalier? Je veux dire, c'est... Il y a risque de tomber ou... T'es pas spécialiste dans l'escalier non plus. Tu peux faire un jet de... C'est 20 cm de large ou c'est... C'est pas bien large, ça doit faire à tout casser 1 mètre de large. C'est construit... ça a l'air d'être de la pierre, de la bonne pierre. Quand tu commences à rentrer dedans,
tu commences à descendre, en fait, et tu vois très rapidement des... Tu vois des sculptures à l'intérieur. Mmh. Oula. Avec ma lampe torche, j'éclaire tout ça, en fait. D'accord, ok. Quand tu, donc, tu commences à descendre... Et ces sculptures, elles représentent quoi? Moi, j'y connais que dalle, mais ça représente quoi? C'est des... Non, c'est... Alors, ces sculptures, qu'est-ce qu'elles représentent? Oui. Eh bien, je vais y venir de suite. Attends, je suis à toi. Faut que je trouve mes notes, évidemment. Même si j'y connais que dalle, je sais si c'est un cheval ou... Non. On y vient. Tu te rends compte, en fait, que les... Il y a beaucoup de choses qui sont apparemment affiliées à des créatures serpentoïdes. Oh bah je fais voir ça tout de suite à Thomas. Ouais. Bah non, mais j'éclaire de toute façon. Pour qu'on... Tu vois, mais... je m'arrête dessus quoi, un moment pour voir quoi. Vous avez déjà vu des choses pareilles, vous? Fais-moi voir, s'il vous plaît. Jamais. J'éclaire. Ok. Tu regardes, effectivement, tu te rends compte que... tu te rends compte que, donc, donc, vous avez... c'est un peu glissant, hein, les escaliers, donc faites quand même gaffe. Vous vous dites que plus vous descendez, plus vous vous rendez compte que c'est immense. Au bout d'un moment, le ciel au-dessus de vous, c'est un espèce de petit point. Hein. D'accord. Faut pas avoir le vertige, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup de... ce qui est représenté sont des espèces d'hommes serpents. Et tu vois qu'il y a souvent, vous voyez qu'il y a un homme serpent qui a l'air d'être un peu le chef. Il a une couronne et un espèce de sceptre dans les mains. Évidemment, la couronne est une espèce de couronne avec des motifs serpentoïdes. D'accord ? Vous voyez également des créatures. Qui ont l'air d'être sous le contrôle de la domination de ces hommes serpents, qui sont des espèces de géants poilus et qui ont l'air de prendre des coups de bâton, en fait, des hommes serpents. Attendez, je vais encore éternuer, donc je vous laisse faire votre description en même temps. Hein. Je vous laisse papoter entre vous. Et vous, ça vous évoque une quelconque... histoire, enfin je sais pas, civilisation, ça vous dit quelque chose? Les serpents, moi ça me fait penser surtout à Quetzalcoatl, Maya, etc. quoi. Et là c'est bizarre, hein, j'ai jamais eu ça. Hein. Quant aux espèces de Yeti à côté, je comprends pas très bien. Hein. Est-ce qu'on continue à descendre, messieurs? Ah bah oui, c'est intéressant. Maintenant qu'on y est, hein. Faites bien attention quand même. Moi, ce qui me paraît étrange quand même, c'est qu'on parle de temples, mais dans la civilisation moderne, les temples, c'est les temples qui sont à l'extérieur généralement. Là, on est en train de rentrer dans je ne sais vrai, pas quoi. C'est tout à fait vrai, là, c'est plutôt même inversé. Effectivement, les temples solaires tendaient à aller vers le ciel. Voilà, c'est ça. Je suis réellement navré, j'éternue, mais comme un taré, c'est juste une atrocité. Quoi. Donc du coup... Est-ce que ça m'évoque quelque chose, ces créatures, soit Yeti, soit serpentoïdes, par rapport à mon vécu et mon passé? Tu peux faire un... T'as deux options. Tu peux faire un jet d'occultisme, ou tu peux faire un jet de... Tu peux faire un jet d'occultisme, tu peux faire un jet d'archéologie, ou tu peux faire un jet de mythe de Cthulhu. C'était quoi ça? Occultisme? J'ai loupé du 8. Ok. On peut mettre des points de chance, remarque peut-être, non? Tu peux cramer des points de chance si tu le souhaites, ouais. Voilà pour 8, ouais. Gêner, 8 points, j'ai un petit peu en. Oui, tu peux mettre des points, tu sais comment ça fonctionne, hein? C'est fait, j'ai mis 8 points de. T'as perdu tes points de San, de Luck. De Luck. San, ça viendra. Non, je rigole. T'as lu des trucs, mais c'est plus du... On est dans la légende, hein. Bien sûr. D'anciennes civilisations
genre Atlantis, tu vois. T'es un peu dans le délire, là. Tu dis, c'est possible que ce soit des Atlantes. Parce que Thomas, tout à l'heure, là, a évoqué à juste titre le dieu Quetzalcoatl, le dieu serpent. Mm-hmm. Mais c'est pas ça, a priori. C'est pas relié, a priori. Tu sais pas. En fait, ce que tu vois, ce que vous voyez sur ces motifs, vous avez l'impression que c'est... Atlante. C'est un peuple serpent qui a l'air de contrôler des créatures qui leur sont fidèles ou dévouées, ou peut-être forcées, hein, avec des trucs qui ont l'air d'être technologiques. Et ça vous fait tiquer sur le pistolet que vous avez dans les mains, d'ailleurs. Oui, c'est ça, justement. Est-ce qu'on en voit des représentations de... Oui. Oui, tu vois des trucs dans ce goût-là, ouais. Alors, c'est pas... Ouais. Tu vois qu'ils ont... Alors, attends, c'est pas à l'échelle, hein. Tu vois que certains tiennent des trucs dans les mains, ça fait des espèces de rayons, tu vois, des trucs dans ce goût-là, quoi. Et oui, justement, à propos d'échelle, ce que je te demandais tout à l'heure, c'était le ratio ouais. entre les géants, là, les yétis, et les peuples serpents. C'est quoi le ratio entre les deux, ouais. Ah ben, en gros, il y a plein de géants pour très peu d'hommes serpents, en fait. Ah oui, ça, c'est en termes de quantité, mais en termes de... taille pure, les géants sont vraiment énormes, taille, ils sont immenses à côté. Ouais. Ils ont l'air, enfin, ça a l'air d'être des géants. Alors après, tu sais pas si c'est pour se donner encore, se glorifier davantage, tu vois. Tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. Ouais, bien sûr. Donc par contre, ce qu'ils ont l'air de construire, souvent ça revient, ils ont l'air de construire un temple, ou une structure en tout cas, qui a l'air d'être comme si c'était une grosse vis inversé. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez que vous preniez une vis, vraiment la vis ouais. qui vous voyez qu'il y a une strip, ça descend comme ça, et en fait, plutôt que d'aller la vis vers l'intérieur de la Terre, là, elle irait vers l'extérieur de la Terre. C'est l'inverse de ce qu'on est en train de faire, nous, en descendant dans le plumant. L'escalier, il est circulaire. Ouais, non, en fait... Non, ça n'a rien à voir, bon. Non. Non, le truc, c'est que t'as l'impression que la structure qu'ils sont en train de construire, c'est comme si vous aviez... c'est comme si vous aviez pris un marteau, et vous aviez retourné une vis pour la taper du côté de la pointe, ok, et vous l'aviez rentré dans la terre comme ça, en fait. Donc, en fait, si ce qui sort, une espèce de forme en ellipse, en fait, de la terre. C'est clair ce que je dis ou pas? Ouais, moi je comprends. Mais par contre, nous, le trou dans lequel on descend, il est toujours le même diamètre. Ou pas? Comment ça, le trou dans lequel on descend? C'est un espèce de cylindre avec un escalier autour, c'est ça, là où on descend. Là où vous descendez, c'est un espèce de cylindre avec un escalier autour. C'est quand même, vous remarquez, c'est quand même très mat, c'est gluant par moment, enfin, vous savez pas trop où vous foutez les pieds quand même, hein. Par contre, c'est clair, encore, il y a de la mousse, des trucs comme ça. Non. C'est juste de la condensation, de l'humidité, c'est... Ouais. Et on n'entend aucun bruit. Ah, vous entendez absolument rien. Est-ce que ça voudrait dire que nos chers machins, là, ils auraient déjà visité ce lieu? T'en sais rien. Ils n'ont pas marqué un mot, genre nous sommes passés par là. Ils auraient dû. Coriandre, on t'entend pas, mon petit. Mais non, j'ai pas d'idée particulière, je suis le mouvement. Ok. Bon. Non, bah après avoir. J'hésite à sortir ma mitrailleuse plutôt que mon 45, mais. Ta Thompson? Je suis pas sûr que dans un trou, tous ensemble, ce soit la meilleure idée. Oui, ça c'est. Oui. Autre chose, un truc, la pierre sur laquelle c'est gravé, en fait. Vous avez quasiment jamais vu, vous avez jamais, même pas quasiment, vous avez jamais vu un truc pareil, quoi. Vous dites, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de truc, vous avez l'impression que c'est pas normal, quoi. C'est là que je regrette de ne pas avoir d'appareil photo. Si seulement t'as vu ton caméscope Itachi. C'est ça. Donc la pierre, en fait, c'est une pierre qu'on n'a jamais vue, c'est ça, Jérôme, c'est Tu peux faire un jet d'archéologie éventuellement. Ouais. Parce que ça va un peu mieux là. Je suis inquiet là. Hein? Je suis inquiet. Quoi? De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Vous m'entendez pas? Si, on t'entend, vas-y. Non, mais je suis inquiet par rapport à la pierre, en fait. Ah. Ah putain, je dis, mais de quoi il parle, ce garçon?
Ben, ah oui. Voilà, j'ai fait 19. C'est un hard success, hein. Oui. T'as jamais vu un truc pareil. Alors, ou alors c'est des ruines que t'as jamais lu ou de machin, mais. D'accord, ok. Il y a rien qui fait penser à un truc comme ça. Et cette pierre, elle fait tout le contour du trou. Tout le rond, tout le coup. Le trou, ouais, c'est comme un cylindre. C'est comme un cylindre et le cylindre fait de ce truc-là. Ok. Ça veut dire que ça a été construit pierre après pierre jusqu'en haut. C'est louche. On fait tout sauter. Pas tout de suite quand même. Je voudrais voir ce qu'il y a au fond. On est à combien de profondeur? Est-ce qu'on voit le ciel maintenant toujours ou pas? Honnêtement, c'est un point. Je sais pas. Descendu. Je regarde Thomas, je lui fais, mais à quelle profondeur on se trouve? Comme ça, un doigt mouillé, tu sais pas, 200 mètres? Ouais, tu penses que t'es à. J'ai fait au moins 150-200 mètres et vous avez pas encore vu le bout du truc. On va arriver en Chine, hein, si ça continue. Très juste observation, mais maintenant qu'on s'est engagé. Oui, non, mais c'est sûr, mais. Soyez prudent, tenez-vous bien. C'est bête de vous casser une jambe. Vous pouvez faire tous les quatre un jet d'écoute. J'entends plus de musique, c'est normal. Dans Roll 20, si. Et par contre, Laurent, ça refait comme l'autre fois, je t'entends à fond, moi. Mais à fond et en réverb. Sur Roll 20, je confirme, il n'y a plus rien. Oh putain, oh, je... moi, 0-3 pour 20, ouais. Et ça direct. Hein, je l'entends, la musique. Relance-la peut-être. Hein. Relance ton rôle 20. Mais toi, relance ta musique peut-être. Qui, moi? Ouais, parce que moi je me suis déconnecté de rôle 20 sans faire exprès. Bon, c'est bon. Ok, alors je l'éteins, je la remets. Bien, je n'entends rien. Là, je viens de la remettre. Nope. Bon? Moi, ça passe. Bon. Voilà. On en était où là, les loulous? Bah, moi j'ai fait 0-3, j'ai fait un extrême succès. T'as fait un extrême succès? Yes. Ok. Je suis pas le seul, hein, apparemment, aussi, à régulier. Non, mais. Ça vient de loin, hein. Tu sais pas d'où ça vient. Ça vient vraiment de loin. T'entends une espèce de. Comme ça. Ok. Et j'entends des bruits bizarres. Ça m'inquiète. Hein. Comment ça, bizarre? Quel bruit? Moi, j'entends rien du tout. Attendez, je refais. C'est votre ventre qui comme des bruits de succion. Ouais, en fait. C'est ça, c'est ce que je pensais, des bruits de succion. Ouais. Il y a quelqu'un qui suce quelque chose, là, ou je sais pas quoi. Bah, c'est bien, ça. Je serais vous, je sortirais quelque chose de ma veste. Une arme, peut-être. Et prudemment, je commence à descendre. Alors, j'ai mon. Donc, vous êtes au milieu, vous êtes dans les escaliers, okay, l'un derrière l'autre. Ouais. Toi, t'entends les bruits que tu arrives à localiser comme étant au-dessus. Ah, ils sont au-dessus? Au-dessus. Bon, je dégaine aussi. Ah oui, okay. D'accord, ça vient d'au-dessus. Donc, là. Tu dégaines. C'était qui Vous pouvez tout. Vas-y. Je sais pas, le con qui parle. Non, mais c'est dommage. Ça vient d'au-dessus, je me retourne, je regarde. Tu fais un jet de. J'entends rien. Fais un jet de trouver où j'ai caché. Ouais, tu vas bien trouver, tu vas voir. Ouais, quoi, Jean-Fred? Question pratique, parce que tout le monde plus ou moins a envie de sortir son flingue, mais est-ce qu'on est obligé de s'éclairer aussi, de tenir des Ah oui, oui, on n'y voit rien. Sinon. Dans le vide, quoi. Ah, sinon, vous voyez que dalle. Vous avez des lampes, en fait. Ouais. Je fais un régular. T'as fait un régular. Réussite, quoi. T'es intimement convaincu qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas quoi. Tu sais qu'il y a quelque chose. C'est juste que tu n'arrives pas. Tes yeux n'arrivent pas à. C'est sûrement la pénombre ou machin. Tes yeux n'arrivent pas à ce qu'il y a. Tu sais qu'il y a quelque chose. Messieurs, je vois quelque chose. Intimement sûr d'avoir vu un truc. On est à la queue leu en fait. On est là. Ah oui, je sais pas, qui c'est qui est devant moi, mais. Mister S, venez derrière moi, ce sera plus purisant, je crois. Hein. Vous avez vu quoi? Un mouvement? Quelque chose qui bouge? Oui, il y a quelque chose là derrière nous, là. Mon arme. Ok. Donc vous êtes toujours au milieu des marches en fait.
Bah ouais, enfin moi je me colle au mur. On peut pas tellement... J'ai bien compris. Mais Façon, mais vous bougez pas, en fait, ma question c'est vous ne bougez pas. Bah qu'est-ce qu'on peut faire ? On va descendre. Faut qu'on descende. Je sais pas ce que c'est, mais là on est dans une position vachement délicate là. Descendons vite. Ok. Non, pas vite, prudemment. Vite et prudemment. Ok, vous descendez un petit peu. Attendez-moi. On va dire que vous descendez de manière un petit peu hâtive. Vous pouvez tous les quatre me faire un jet de Dex. Oh non. Voilà, fatalement. Bah oui. Et si je. Mais non, pas ça. Ah bah si. Mais c'est pour ça qu'il y a plein de chance. J'ai pas de Dex sur ma feuille. Voilà. Putain. Tu peux cramer de la chance. En fait, t'es pas tombé. Ceux qui ont raté sont pas tombés. Mais vous retardez tout truc. Vous faites deux fois plus attention pour pas vous péter la gueule. Là où les autres arrivent à descendre sans trop de problèmes. Vous, en fait, vous êtes un peu à la traîne. Voire ça crée en fait une situation où le groupe se divise un petit peu en deux. D'un côté, t'as Alexander et Thomas. Qui ont l'air de gérer la descente. Là où toute Clive et Isabella, vous êtes un petit peu genre, attends, je te tiens. C'est un peu comme les hobbits dans la Moria, quoi. C'est Clive, il est tellement. Il fait attention à moi. T'sais. Exactement, je fais mine de le faire exprès pour l'attendre. Exactement. Il fait rempart dans son corps. Donc, voilà, c'est ça. Donc, vous descendez, les autres, vous continuez à descendre. Vous êtes réellement complètement dans l'obscurité, c'est une atrocité. Et cette espèce d'odeur, vous n'arrivez pas à savoir ce que c'est. Vous avez l'impression presque que c'est du. Je sais pas, mais... Faites un jet de. Un jet de. D'idées. Les deux qui sont descendus premiers, là, Alexander et Thomas. D'accord. Okay. Du coup, moi, je suis derrière Thomas, et plutôt que bêtement tenir un flingue, moi, je tiens une lampe. D'accord. Comme ça, j'éclaire Thomas qui est devant. Ok. Succès ordinaire pour moi. J'ai pas d'idée. Hein. Moi, j'en ai une, mais aussi elle va être. Ça te fait penser. C'est une odeur assez bizarre. T'as l'impression de sentir. Tu sais pas, genre une espèce de comme si on avait mélangé une odeur de terre avec du caoutchouc. Caoutchouc. D'accord. Une espèce d'odeur de plastique ou de caoutchouc mélangé à de la terre. Tu sais pas ce que c'est. Plus tu descends, plus c'est gluant aussi. Ça sent pas le pétrisor quand même. Le pétrichlore. Le quoi ? Le pétrichlore. on y retourne au pétrichlore. Ça sent un peu. Non, ça sent pas le pétrichlore. L'humus, le machin. Mais par-dessus ça, tu rajoutes une espèce d'odeur de. Pathétique, quoi, en fait. Tu sais pas quand tu dis caoutchouc, du caoutchouc brûlé. Ouais, non, du caoutchouc genre normal, tu sais, genre oui, le liquide en fait. Ah oui, d'accord. Okay. Pétrole presque. Enfin, c'est un mélange de tout ça en fait. En tout cas, ça sent mauvais par là. Vachelingue. C'est des lampes électriques qu'on a, c'est pas des lampes à pétrole justement. C'est des lampes électriques, quoi, j'assume. Ouais. Y a pas de flamme. Non, c'est des lampes électriques. Donc, comme je te disais, je suis donc juste derrière Thomas, vu qu'on descend plus correctement. Okay. Et moi, je me concentre à lui éclairer la route, tout cas. Je me suis arrêté quand même pour voir où sont les autres, quoi. Et je gueule un peu, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites ? Dépêchez-vous, là-haut, là ! On arrive ! L'un de vous deux, là, on va dire... Tiens, on va dire un déduit. Bien, les déduites. Déduite ! Déduitre. Youhou ! Déduitre. Clive ! Tu es en train de descendre. À un moment, tu as l'impression que ton pied viendrait être effleuré par quelque chose. C'est extrêmement fugace, mais c'est extrêmement désagréable. Je suppose qu'en regardant, je vois rien. Bah, t'as ta lampe. Oui, tu peux faire un jet. Tu vas faire un jet de toc, s'il te plaît. Comme si c'était fait. C'est un F. C'est insoutenable. Ok. Ok, c'est un success. Si tu pouvais imaginer une couleur qui est plus noire que le noir, hein, c'est la forme de l'espèce de. Serpent ou pédicule ou tu sais pas exactement qui vient de te passer sur le pied
et qui a en fait de... Tu réalises un truc, c'est que cette... ou un pseudopode, tu sais pas trop, un espèce de truc allongé, t'as l'impression qu'en fait ce truc-là vient de la paroi opposée où tu es. Opposée ? Ok. C'est-à-dire que, imagine un cylindre, d'accord ? Oui, j'ai compris. Vous descendez dans le cylindre, et l'escalier, il descend autour du cylindre. Ok ? Je dis ou pas ? Oui, j'ai parfaitement compris, c'est pas la paroi. Mais en fait, à l'opposé de là où tu es, c'est de là que ça vient, en fait. Ouais. Ok ? Ça a l'air matériel ? Enfin, concret, enfin... Ça a l'air d'être concret. T'as l'impression de voir une forme qui est noire dans le noir. C'est très bizarre à percuter. Percuter, que fais-tu ? J'hésite à la percuter avec une balle de 45. Tu peux, j'en sais rien, vas-y. T'es extrêmement mal à l'aise, hein. Tu commences à faire un jet de scène. Et putain, j'attendais. Ouais, tu commences à faire ton jet de scène. Par contre, moi, je te rentre dedans si tu t'arrêtes. Oh, merde. Ok, donc tu le rates. N'oublie pas la règle, hein, tu peux perdre la perte, tu peux... Enfin, voilà. Pour le moment, on va dire que tu ne perds que un point. Non, on va dire que t'en perds... avec l'ambiance et tout, on va dire que tu perds deux points de San. Deux points, et donc si je mets quatre points de chance, j'en perds qu'un. C'est ça. Bon, je les perds. Ok. Isabella, oui. Tu vois qu'il s'est arrêté. Il a l'air d'être, il a l'air de soulever sa Thompson. Il est blanc, enfin blanc, j'en sais rien. Tu le sens respirer. Tout ce que t'entends, c'est sa respiration. Quant aux deux autres, vous avez entendu, ça s'est arrêté au-dessus. Ils ont arrêté de descendre. Nom de réseau, c'est clair. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui vous arrive ? Dès que je reprends mes esprits, je crie qu'il y a quelque chose de vivant, okay, dans la paroi. J'éclaire. Vous entendez avec un écho pas possible, quelque chose de vivant dans la paroi. Ouais. J'éclaire là où ils sont en fait, et j'éclaire la paroi opposée où ils sont, où on est quoi. Ok, donc vous éclairez le truc. Et là vous pouvez faire un jet de San. Voilà, voilà, comme ça peut être jaloux. Le jet de San. Oh, attendez, parce que je sais même plus comment ça marche. J'ai fait 19. Ceux qui ont réussi me disent et ceux qui ont raté me disent. J'ai réussi. Je crois qu'il n'y a que Alexander qui a fait. Alexander a raté. Ouais. Ok. Perte de San. Perdez un dé de 100. Je sens pas. Oh. Un dé 100 plus 20. Il y a des pseudopodes visqueux qui sortent du mur. Oh mon dieu. Alors, qui a raté ? Qui a réussi ? Ah. Oui. Vous perdez un point. Ok. Ah, un point, c'est bien. Avec deux points de chance, on ne perd aucun. Voilà. Lui qui a raté. Ceux qui ont raté, comme je suis un mec sympa, on va la faire à la Dungeon World, je te laisse tirer un dé de 10. Hein ? Mmh. Oh putain. C'était quoi la règle des trucs de chance là que vient de faire Clive? C'est pas le double. Mais vas-y, d'abord j'ai changé de 10, je te dirai après comment ça marche. Ah ouais, parce que j'ai loupé de 63, c'est ça. Ah oui, là ça. 63. Ah, ouais. Non, mais la question c'est, est-ce qu'on peut mettre des points de chance pour réussir avec? Non, on peut pas. Si tu peux. Si, ah bon, tu peux non, mais c'est après. C'est après que tu peux cramer. C'est sur la perte que tu peux. Scène, tu peux. Pas pour le gel. Tu peux faire un jet de chance sur la scène, ce qui est logique. Bon, tu perds 3 points. 3, ça va, 3. Et tu peux dépenser 6 points de chance pour la réduire de moitié à 1. Non, je perds 3 points. Ok. Très bien. Donc, ce que vous voyez, quand vous le voyez, hein, vous voyez quelque chose qui a l'air d'être collé en fait à la paroi. Ça a l'air une espèce de masse complètement fluide, un peu comme si vous gardiez une tache de goudron en fait. Mais cette tache de goudron, elle a l'air d'avoir des bouches, des yeux. Ah.
Et voilà, oui, ça va, oui, oui. Ouais. Elle ressemble un peu à un truc comme ça. En quelque sorte. Hey. Oh, d'accord. Je tire. C'est ça. Et c'est petit, ça fait un ou deux centimètres de haut. C'est ça. J'aime bien la dénomination. C'est gigantesque. C'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment énorme. Ça fait 2-3 fois votre taille. Ça a l'air de comme ça. Et donc, j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'initiative, c'est ça? En tout cas, j'ai vraiment poussé un cri. Ok, Thomas. De peur, quoi. Oh Thomas, mon petit. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je tire. Bam. Avec quoi? Ton 36, ton. Avec, Marconi, ben, en fait. Martini rouge? Non, non, pas que la carabine, vu que j'ai la torche dans la main, donc ça va être plutôt avec l'automatique. Là. Ok, donc tu tires, vas-y. Eh ben, c'est bon. Très beau tir, tu peux faire une croix. Tu tires, t'es sûr d'avoir tiré sur un œil ou un truc ou quelque chose qui ferait mal. Tu vois littéralement comme si t'avais tiré, ça fait un espèce de bluff, comme si tu tirais dans une masse spongieuse. Mm-hmm. Est-ce que tu as fait mal ou pas, tu ne sais pas. Alexander. Malgré mon effroi, j'ai la possibilité. Ah oui, tu as la possibilité. Ah oh bah je tire dedans, je suis terrifié, j'ai crié et je dis. T'es pas, c'est 5 points en plus hein, pour commencer à être. Tu rates, okay. tu tires à côté. Après là pour la peine tu peux cramer de la chance si tu le souhaites. Non. Okay. Non je dis ça pour pas vous la faire dépenser hein, évidemment. Clive. De réflexe. Toi tu te rends compte que ce truc là en fait est en face de toi littéralement. Ouais. Bah ça me rassure pas mais. J'attends un peu pour qu'Isabella elle tente de descendre. Ouais. Tu sais, tu penses pas que ce sera possible. Hein. Lui tient la porte et tout. Bon bah sinon je lui tire un coup de 45 tout en remontant là. Donc tu tout en quoi, remontant tu prends ton tapetoir et tu tires. Ouais, ok. Vas-y. Ok, tu touches. C'est pareil, hein. tu tires avec ton flingue, t'as l'impression de tirer dans absolument rien. Ça fait pff, t'as l'impression de tirer dans une nappe de pétrole, quoi. Ouais. Isabella. Eh bien, écoute, voyant que les tirs ne servent à rien, je m'empresse de descendre, de me barrer. Enfin, je sais pas. Ouais, tu descends pour te barrer. Bah ouais, j'essaie de presser le pas, quoi. Alors, tu sais que tu risques de faire tomber Clive, hein. On est bien d'accord. Fais un jet de Dex. S'il est devant toi, là. Ouh, ah, bah c'est... Ouh là 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 là. Clive... Je peux relancer ou pas? Je peux relancer ou pas? Si tu pushes et que tu foires, tu tombes, hein. Bah je peux pas relancer, alors. non, excuse-moi. Tu vas peut-être là, tu rates, ok. Il y a plein d'options. Une des options que j'ai en tête, c'est que tu tombes sur les marches, tu te gaufres. Une autre option, c'est que tu pousses malencontreusement Clive. Si tu pousses ton jet, donc tu relances, ouais. Le résultat, je te l'annonce clairement, c'est que tu tombes au fond. Eh ben non, mais je vais pas repoucher alors. et là, si ça se passe comme ça, il se passe quoi? Bah, je sais pas, faut essayer, hein. C'est un peu comme c'est comme le parapente, hein. Non, non, mais vas-y, c'est tu meurs et tu crames mais... tes points de chance. Non, mais sans repoucher, si tu veux. Là, ah oui, là, donc c'était la question. Qu'est-ce qui se passe bah, en fait, t'es de passer. C'est surtout qu'en fait, ton problème, c'est que t'es en train de faire chier Clive. Okay. Bah, lui aussi me faire un jet de Dex. ça m'arrange pas. Je vais faire tomber tout le groupe, tu sais. L'effet domino, ouais. C'est pas mal. Ok. Ok, Clive, tu viens de tirer, t'as Isabella qui t'a moitié tombé dessus, du coup tu t'es gouffré la tronche en avant. Pas ici, Isabella, c'est pas le moment. Voilà, vous êtes tombés en fait tous les deux sur toute votre longueur, en essayant surtout de vous raccrocher à la rambarde, hein, qui n'existe pas, évidemment. Donc vous êtes un peu en panique. Clive, tu peux me faire un jet de chance, s'il te plaît? Savoir si je suis joueur. Non, t'as fait un jet de sanity. Pardon. Je suis sympa, je te laisse la refaire.
Voilà, 98. Ok, ça c'est beaucoup mieux. Tu as tombé ton arme. Oh merde. Dans le gouffre. Ton 45 est tombé, tu l'as lâché en fait dans la chute. Donc tu n'as plus d'armes, enfin surtout t'en as sur toi au cas où, t'as peut-être ta Thompson en bandoule machin, mais t'as fait tomber ton flingue. Vous entendez un bip, boum, boum, boum. Merde. Mais qu'est-ce qui se passe là? Okay, attention Thomas, ils vont nous tomber dessus. Elle va essayer de faire quelque chose, la petite mère. Es una mierda. Première fois que vous m'entendez parler espagnol, hein, je panique. Je retourne au sens. Ouais. Si je la mets là, ça se... Pourquoi j'arrive pas à faire ça? C'est bon ce truc là quand même. Ok, bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas mal. Un de vous deux, on va dire, tiens. Isabelle. Isabelle, tu... le truc, a priori, hein, la chose, vient de t'envoyer... T'as senti un espèce de coup de lasso, en fait, qui vient te frapper au niveau des jambes, et ça te fait extrêmement mal. Aïe, et vraiment extrêmement mal. Oui. Ça fait vraiment très mal. Tu prends 12 points de dommage. Ah ouais, quand même. Hein? Ah ouais, t'as l'impression de te faire écraser la jambe par un élément. Mais t'as jamais eu autant mal, quoi. C'est pas le point. T'as des points? Bah, vous m'entendez hurler. Vous entendez, mais hurler. Le gros de l'action n'est pas en bas, le gros de l'action est dans les escaliers pour le moment. Tendance moriremos, Mais en bas, ils sont pas arrivés au sol. Non, ils sont pas arrivés au bas, mais a priori, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est qu'a priori, Thomas oui. Et Alexandre pouvaient faire un jet d'idées. Vu que les autres sont tombés, ils sont un peu dans la peine. 30 pour moi. Donc c'est okay. Bon. Thomas, il faut... Ton premier réflexe, c'est pas d'être en bas, c'est de remonter le plus vite possible pour être en plein jour. D'accord, ok. Là, vous êtes en train de pas s'enfoncer dans les emmerdes. Ok. Bah, remonte vite, remontez. Ok, ouais, je tempère tout de suite. Allez, donc allez, les deux, là, vous commencez à remonter, en gros, vous speedez. Quant aux deux autres, Isabella et Clive, vous entendez, en fait, les parts des autres remonter. Il y a les bruits de succion et de la bestiole. Que faites-vous? Ben, moi, j'essaye de me relever et de monter. Ok. Donc vous... T'entends bien que peu... Enfin oui, on est... enfin, j'essaye quoi. Quitte à ok, attaquer. Donc vous montez un peu... Quel vous faites un jet de dex à nouveau. Elle apprend des idées fixes. Hein. Pouf. Oh putain. Oh, ah si. Ah putain. Putain. Pas mal finir cette histoire. Fait son jet de dex. Thomas, tu veux faire un petit jet de dex, mon loulou? Ok. Ok. Thomas, tu montes. Ouais. Alexander, sans problème. Les deux autres, vous avez des pieds dans le gourbi, vous savez pas. En fait, vous êtes en train d'essayer de remonter à limite à quatre pattes, plus que sur vos deux jambes. Ah oui, je suis en panique totale. Glisser, machin. Et c'est surtout que derrière vous, il y a Alexander et Thomas qui sont là, genre, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi. Et vous entendez l'espèce de truc qui a l'air de remonter et tourner, en fait, autour du cylindre lui-même. Mais que faites-vous bordel, moi, je vais aider Isabella si je peux, hein, la porter sur mon dos Alors, oui, vous voyez bien que je suis blessé. C'est ça. Le problème, c'est qu'elle est en haut, en fait. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordre est inversé. Elle est en haut, en train de s'être à moitié gaufrée. Elle bloque. Ah oui, voilà, d'accord. Et moi, je suis le dernier, quoi, en fait. Et toi, t'es le dernier, en gros. D'accord. Ok. Donc là. L'option, tu peux tenter. Et portez-la, vas-y. Il faut sortir d'ici vite. Bien. Plaquez-vous contre le mur et essayez de vous stabiliser en remontant. Ok, donc c'est un peu la panique à bord. Vous entendez encore une fois. Ok, vous entendez à nouveau des espèces de bruits atroces de pseudopodes qui ont l'air de partir dans tous les sens. Ça, vous entendez, ça tape dans les murs. Vous savez même pas s'il y en a un qui est touché ou pas. Mais ce qui est clair, c'est que ça a l'air de lâcher ces pseudopodes dans tous les sens pour taper dedans, en fait.
Ok. Vous savez pas, c'est un mélange de chance, de machin, qu'elle vous ait pas touché. Vous continuez de remonter. Les deux autres, vous pouvez... Ouais, qu'est-ce que je voulais dire, Isabella, puisque c'est toi qui es devant, hein, malheureusement. Je suis blessé. Oui, tu refais, tu refais un jet de dex, s'il te plaît. Putain, mais arrête, ça fait trop de fois que je me gouffre. Ah ouais, ben là, je dépense 4, là. Ok, donc tu arrives à peu près de stabiliser par chance, c'est le cas de le dire. Oui. En te tenant au mur, tu arrives à tenir droit et tu commences à remonter. Clive, pareil, tu fais la même chose. Parce que tu étais complètement rétamé au sol. Ok. Donc toi, par contre, t'accroches pas, tu fais de glisser sur ce truc. Ou tu sais pas si c'est un pseudopode qui t'a à côté. Il n'empêche que... y a un pseudopode qui a l'air de tché. C'est pareil, le tarif est le suivant. Ah, pardon, excusez-moi. C'était un interlude musical, je me suis trompé dans mes dés. Tu prends 9 points de dommage. J'ai pas entendu. Tu viens de prendre 9 points de dommage. Ah, t'es coupé, Jérôme, parfois. Qui se manifeste. Hein, de quoi ? T'es coupé parfois. Avec le micro. Ça coupe encore ou pas ? Ben, des fois, non, de temps en temps. Par moment. Ok. Est-ce que je fais un déco-reco TeamSpeak, ça vous va ? Ouais, vas-y. C'est... Allez. Comme tu veux. Je fais ça. À tout de suite. Et ça fait très mal, hein. Je suis blessé. Au secours, aidez-moi, je vais mourir. Ne me laissez pas mourir là. Et Clive, il va te pousser dans le gouffre, ça va être vite fait. Je vais pas la pousser, j'ai juste demandé d'aller me chercher mon. Et me revoilà. ça va mieux ou pas ? Bah, on va voir à long terme. Oh, ouais, on dirait. Ok, donc tu prends 9 points de dommage. Oui, tu viens de te prendre un espèce de coup au niveau du torse qui te fait extrêmement mal. Et surtout, t'es tombé, en fait, c'est machin. Du coup, en fait, Isabella est en train de remonter aussi bien que tu peux. Alexander et Thomas, vous êtes derrière. En fait, là, il est au sol. Soit vous pouvez éventuellement essayer de l'aider. Mais si vous l'aidez à se relever, vous bougez pas. Moi, comme je suis derrière, a priori, Clive, j'aimerais pouvoir essayer de le stabiliser, de l'aider, oui. Ok, tu fais un jet, t'essayes de rester tes coudes et de l'aider. Tu fais un jet de pouvoir. Pouvoir. Oui, un jet de pouvoir. C'est juste histoire de garder la tête froide, en fait. La volonté, le sang-froid. Ouais, c'est ça. Le pouvoir, c'est volonté. Ouais, bah pas aujourd'hui. Hein. Tu peux cramer de la chance. Non. Non, je peux que... Oui, non, mais non. Ok, toi, par contre, tu commences à dire « Oh, mais putain, tu nous fais chier, maintenant !» Bah, j'ai eu peur tout à l'heure, ouais, c'est cohérent, quoi. C'est « Putain, mais on va finir en repas, là, en menu !» Thomas, tu vois que ça bouge pas devant toi, que fais-tu ? Est-ce que je peux passer sans faire tomber qui que ce soit ? Voilà. Ouais, merci. Alors, oui, tu peux, mais... C'est un jeu en hard. En quoi, en dex ? Mm-hmm. Tu vas pas me piétiner, non ? Non, ben non, je le fais pas parce que quand je vois que ça. Ah non, mais bon, j'ai 90 en dex, mais on sait jamais avec mes jets de dés de merde. J'en sais rien, ouais. C'est pour ça que t'as plein de chance. C'est que je t'en donne plein la chance. Ouais, bon, allez, si je tente, allez. Je suis joueur. Allez, c'est pulp. Celui qui va être pulp, c'est surtout toi. Tu peux cramer 15 points de chance. Ouais, je les prends. Ok, par un. Quelque chose qu'on pourrait traduire d'olympique. Tu sais pas comment tu t'es démerdé. T'as réussi en fait à faire un espèce de saut sur plusieurs marches en poussant en fait les autres sur le côté pour que c'est quand même. Hein. Et en fait, tu te retrouves devant Clive. Tu sais pas comment tu t'es démerdé. Mais t'es devant lui, que fais-tu ? Bah, je prends. Est-ce que tu montes ou est-ce que tu essaies de l'aider ? Non, j'essaye. C'est Isabella qui est dans la merde là. Ah bah, Isabella elle est en train de monter, genre. Ouais. Ah, c'est Clive qui est dans la merde là. Et ça dans la merde là ? Alors, bah, j'aide Clive en fait. Peut-être que c'est gentil. D'accord, ok. Y a des pseudopodes qui sont en train de te passer à côté. Pour ainsi dire, tu prends 10 points de dommage. T'en as un qui est en train de te rentrer dedans. T'es là, tu fais, mais qu'est-ce que t'as l'impression d'être heurté par un tronc d'arbre, quoi ? Et moi ? Oui, toi, oui. Ok, d'accord.
Donc maintenant tu peux essayer de l'aider, Clive. Tu commences à relever, je te fais le crux, je te fais le package avec le dex que t'as fait. Ou ouais. Clive, en fait, Thomas est passé à côté de toi, il a réussi à te soulever à moitié, et t'es debout. Bon, mais j'essaie de. Donc vous montez comme des cinglés, en fait. Ah, c'est ça, ouais. Ok. Alors, moi, je me retrouve dernier en plus, comme un con. Donc... Voilà, donc vous montez. Isabella, toi, tu vois la lumière du jour. Tu t'es dit, oh mon Dieu, je vois le Christ. Ça. Les autres, en fait, vous arrivez, machin, et vous entendez en même temps l'espèce de chose qui a l'air de monter en même temps, mais en se collant à la paroi, en fait. Et au final, donc vous sortez, vous êtes en plein air, et la créature sort quasiment en même temps que vous. Et du coup, Thomas, que fais-tu? Tu es le plus rapide de tout le monde. Je prends Clive avec moi et je me barre dans la pampa. Mmh. Clair. C'est quoi? Je me barre. Je le soulève en fait. Je le soulève. Ouais. Et un jet de force. Ok. S'il te plaît. Voilà, donc j'ai. T'essayes de le soulever, en fait, il est plus lourd qu'il en a l'air. Ok. Merde. Tu commences à le prendre, t'es lourd, il est super lourd. Et tu. Donc, ça, c'était ton action. Mais sur mes jambes, moi, pourquoi il veut me porter? Non, bah, je sais pas, il a l'air de vouloir te. Mais non, mais en fait, pas le porter, mais tu sais, qu'il aille plus vite avec moi, quoi, en gros, quoi. Bah, ça va, moi, on a monté l'escalier, donc, là. Thomas, toi, tu. Non, vous êtes monté. La créature est sortie du truc aussi. Ok. Thomas, tu dis quoi? Tu dis je m'enfuis, c'est ça? Non, je reste là présent pour. Partir dans la pampa, c'est ça? Hein. Oui, non, mais je reste. Non, je pensais que en fait c'était pour Clive en fait. Ah mais d'accord. Okay. Je reste là et puis je vais tirer avec mon arme sur la créature qui est en train de sortir. Quoi, ok. Bah, pour que mes amis puissent partir quoi. Ok. Donc là, je vais tirer avec l'automatique. T'as vraiment l'impression que c'est... à un moment, elle a une centaine de pattes, elle prend des formes pas possibles. Enfin, c'est genre, j'avais jamais vu ça. C'est l'impression d'une espèce de truc en caoutchouc, en élastique, en fait. D'accord. Mais je lui tire dessus quand même. Hein. Ouais, j'ai bien compris. Dynamite. Voilà. Ok, et tu tires. Ça fait avec ton... T'as l'impression de tirer dans du goût, dans du caoutchouc. D'accord. C'est surtout pour attirer son attention, pour que mes amis puissent sortir de là. Pas exactement si... Ok, ok. Ouais. Alexander, que fais-tu? Je suis le mouvement, vu que je suis en dernière position. Mais là, vous êtes sortis tous. Que fais-tu? Ah, oui, tu disais qu'elle était beaucoup plus grande que nous, cette créature. Elle fait quelle taille? Ça fait 3-4 mètres de haut, quoi. Oh, putain. Bah... Et je vois mes compatriotes faire quoi, exactement? Bah, tu les vois, il y en a un qui tire dedans... Je vais suivre le mouvement, je vais tirer dedans. Si apparemment, j'ai peur, ce que tu vois, c'est que quand vous tirez dessus, il se passe absolument rien. Ouais, mais je suis complètement. Je panique, ce serait la même chose. Ouais, c'est plus des tirs de panique que je fais. Hein. Je suis paniqué, je tire une balle dedans comme un con. Ok. Et en plus, je fais. Ok, donc tu tires complètement à côté. Je fais de la merde. Ouais. Clive! Ben, moi, j'essaye de prendre un peu de distance là avec cette bête. Sans parler de m'enfuir à plat de couture, mais mettre de la distance. Donc, tu recules, ok. Que fais-tu donc? Qui c'est qui a la dynamite? Est-ce que tu peux en avoir, t'en as sur toi, dans ton sac? Et est-ce que la dynamite, ça peut. Tu peux allumer un bâton et le jeter, ça se pratique ou c'est oui, on va dire que t'as ton zippo et tu machin, on va dire que c'est une action. En gros, tu peux préparer ton action là et tu le fais au prochain tour, tu la jettes, quoi. Ok, ben si c'est faisable, je tente ça. Oui. Ok, Isabella. Ah, nous avons perdu Abolas. Pardon, si vous m'entendez? Ouais. Oui. Ah, c'était pas le bon bouton. Je fuis, moi. Hein? Je fuis. D'accord, tu... Ah bah, okay. Je m'enfonce dans la pompa n'importe où, n'importe quel chemin, mais... Donc tu pars. Ah bah, je m'écarte au plus possible, Non, c'est pas tu t'écartes. Non, je me barre. Bah ouais, je me barre autant que je peux courir à ce coup-là, quoi. Enfin ouais, je me barre. Donc, tu pars. Tu voyais Isabella littéralement fuir, quoi. Fuir, je suis blessé. Là... Je vais pas forcément super vite, mais... Bah t'es pas mort, t'as deux fois plus de points de vie, normalement. C'est prévu pour. Ouais, bah j'en ai perdu la moitié. Ah bah oui, c'est ok. Tu fuis. Les trois autres, l'espèce de créature, en fait, continue de se manifester, hein. Elle
on voit ces de tentacules, un peu de pédoncules, je ne sais pas trop ce que c'est, dans tous les sens. Vous arrivez quand même, elle a l'air d'être par moments très pataude, et en fait, les coups que vous avez pris étaient des coups vraiment extrêmement précis. Donc, soit elle est, un coup sur deux, ça passe. Thomas, que fais-tu ? Si je vois que mes amis sont, sont hors d'atteinte de la créature, je vais faire comme Isabella. Je vais, Ils sont pas. Bah non, vous n'êtes pas hors d'atteinte. D'accord, bah je vais continuer à tirer tant que mes compagnons ne sont pas hors d'atteinte. Elle est sortie, elle a foncé. Ok, d'accord. Donc vous l'avez de vous. Elle, en fait, elle a fait demi-tour, elle s'est enfuie. Ok, ok. Donc toi, tu tires dessus, ouais, en fait. Ouais, je tire dessus, ouais. Donc, même cause, même effet, tu tires dessus. Tu tires, t'as vraiment l'impression que tu fais absolument rien. D'accord. Alexander. Voyant, je reprends un peu mes esprits vaguement, enfin, en quelques secondes, je vois que ça sert strictement à rien. Peut-être que je vois que Clive aussi est en train d'allumer son truc, je me trace aussi. Comment ça, tu traces ? Tu t'enfuis, en fait ? Ben, je m'enfuis. Je vais vers Clive par là, enfin, je fous le camp de la bébête, quoi. Non, mais la bébête, en fait, elle est à 2-3 mètres de vous, en fait, machin, ok ? Soit vous restez ensemble, mais là on est dans le changement de position. Ah, okay. D'accord. Soit vous dites clairement, je m'enfuis. Non, je vais derrière. Ok, Clive, donc tu vas te foutre derrière. Clive, okay, voyant qu'a priori il prépare un truc, voilà, dire en ok, stage. Clive, elle est là. Tu jettes un D4, s'il te plaît. Un D4. Ok, tu te rends compte, en fait, quand t'as pris dans les trucs, t'as commencé à allumer, t'as carrément pris un... En fait, les bâtons que tu as sont pas individuels, en fait. Certains sont agglomérés ensemble, c'est par des espèces de cordages ou tout. Là, t'as pris 4 d'un coup, en fait, avec une mèche. Oui. Donc, tu peux jeter ça. Soit tu, en gros, t'as en gros... C'est pas au bâton que tu les avais, t'en avais 4 dans la main, quoi. Est-ce que j'ai quelques notions pour dire que c'est... Qu'est-ce que... Ça va faire une grosse explosion. Ça va faire un trou. Bon, je l'allume et je jette. Et tu jettes, ok. Balance, Clive, balance. Tu fais un jet de la fameuse compétence qui s'appelle lancer, à savoir flow. Tu as 20. Je la vois, mais... Ça va tomber à tes pieds, ça va être trop drôle. C'est pour ça que j'ai pas de bâton. Tu vas nous porter la marabouille. 37. Oh. Je mets 17 points de chance. Okay. Il est fabuleux. Bolas, joue pulp, hein, je te rappelle, même si t'as pris des dommages. Hein. Bah oui, non mais... Je te gronde pas. Non, il n'y a pas de machin. Le pitch était pulp. Tu t'enfuis pas à longueur de temps, je te le dis comme ça gentiment, là. Flo, tu jettes ton truc. Tu viens de le jeter dans une de ses bouches, ce qui est miraculeux. En fait, tu sais pas trop si c'est un pseudopode, parce qu'en fait, le truc mute en permanence. Mais t'as l'impression qu'en fait, au moment où tu l'as jeté, il y a comme une espèce de bouche qui a voulu attraper, en fait. D'accord ? Oui. Je t'invite à faire les dégâts, puisque c'est quoi, 4d6 le bâton ? Je sais pas. De mémoire, Je l'ai pas... Hein. Je l'ai quelqu'un de mémoire à bâton de dynamite. Oui. 4d6. Attends, on va trouver ça. Firearms, c'est pas un firearms, mais on va dire. Dynamite on stick, dire... c'est ça hein. C'est combien dynamite? C'est 4d10. 4d10. 4d10 de dégâts, ouais. Pour une dynamite. Ça, c'est en quoi que tu vois ça? Dans Hand Weapon. Ah ouais, d'accord. Dans Hand Weapon, ouais. Taser, War, Boomerang, Molotov, Dynamite Stick. C'est pas mal, ça, Dynamite Stick. Et... ça fait 16. Tu vas jeter 16 dés de 10. Donc j'en jette 16, et j'en jette 15, et puis j'en rajouterai... Ouais. Par contre... Ouais. Vas-y, rejette-en un autre. Ok, 86 points de dommage. Ok, vous pouvez tous les quatre, enfin tous les trois en l'occurrence, faire un jet de chance. Parce que donc vous voyez Clive jeter ce truc-là, c'est avalé en fait par la bouche, d'accord. Évidemment quand ça explose,
Quand ça explose, eh ben, ça fera 86 divisé par 4. Donc, 86 20. Divisé par 4, je n'ai pas compris. Vous pouvez faire un jet de dodge, éventuellement. Ouais, de toute façon, j'ai crié à couvert. Hein, ah oui, non, mais t'as, oui, c'est pas le problème de crier, en fait. Le cri, il fonctionne, le cri c'est le blast, le problème. Ah bah, moi, je fais donc, fait, un c'est le jet de dodge. Ouf, oh, c'est bon pour moi. Tu rejettes, Clive, parce que c'est toi qui l'as jeté. Je suis gentil. Je suis dedans aussi ou pas? D'accord. Non, toi, t'es à Wall, toi, t'es en train de courir. Oh la vache, c'est pire. Ah, oh, c'est pire. Fumble. Ok. Ok, donc. Souvenez-vous de moi en héros. C'est un peu ça. En fait, t'as acheté le truc, t'es même surpris de ton. T'as d'une espèce de professionnalisme du joueur de baseball qui veut en attendre trop. T'as voulu regarder où allait ton tir, en fait. Ton lancer. Les autres, ceux qui ont réussi. Oui. Ok. On va dire prenez du blast. Putain. Prenez 10. Clive, l'option que tu as, c'est de faire les trucs qu'on avait discuté dans les options du jeu, hein. À savoir, en gros, si tu retombes à zéro, en fait, tu perds 20 de chance, tu perds 20 points, ça réduit les dommages, et tu regagnerais un des 6 de plus. Oui. Ou quoi, oui. Non, j'étais en train de chercher un truc dans les règles, vite fait. Donc, Donc là, on perd 10 points de vie, c'est ça? On va dire que toi, Clive, t'en perdrais 20. Donc là, en fait, tu les perdrais pas. Et tu regagnerais un des 6 points de vie. Je dépense 20 points de chance. Si tu dépenses 20 points de chance... Je suis pas mort. Tu prends... Alors, tu prendrais 20 et tu regagnes des 10. Bah écoute, j'ai que ça pour ne pas mourir. Voilà. Donc, ou t'as l'option à 30, tu crames tout. En fait, il ne t'arrive rien, tu m'expliques ce qui s'est passé en fait. D'accord. Et bon. Tu gagnes 30 points de chance et tu regagnes en plus un 10 plus 1. Alors, je vais prendre l'option à 30. Ok, donc tu crames 30 points de chance. Voilà, j'ai plus de chance. Hein. Okay. Et tu aurais des j'ai été tellement surpris qu'il l'avale, ouais. que j'ai reculé de réflexe, et si ouais. il racine quelque chose, je me suis retrouvé au sol. Ah oui, d'accord. Ok, marche. Ok, donc ça t'a sauvé du blast, guillemets. Oui, imaginons qu'il y ait un peu abîmé le sol à cet endroit, qui est une genre de crevasse, de petit trou. Je me suis d'accord. retrouvé là-dedans au moment de l'explosion. Ok, ça marche. Donc, je regagne des points de vie, là. Alors, tu en gros, tu évites les dommages et tu regagnes un D6 plus 1 de points de vie. Donc, je te laisse jeter ton D6 plus 1. Donc, oui. Tu regagnes 7 points de vie en plus. Tu sais, c'est limite miraculeux, hein. Tu sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, le truc ouais. a volé dans tous les sens. L'explosion est énorme. Isabella, toi, tu entends l'explosion comme si elle te détonne dans les oreilles quasiment. À un point tel que tu es à la limite de tomber du souffle. Et en fait, pour les trois autres, vous êtes littéralement mais recouverts d'espèces de substances noirâtres partout. Ok. Et on a subi 10 points de dommage. Et vous avez pris. 10 points de dommage. Il m'en reste 4. Hein. C'est ça. Hein wow. Et donc la bête a explosé, on est bien d'accord. Hein. Ah, elle a littéralement explosé en vol. Hein. Bon. Oh là là. Bah, je me traîne hein, au sol. Hein, oui. Couvert de ces. J'essaie d'enlever des morceaux. Bolest. Oui. Que fais-tu, toi? T'es enfui. Au son du truc, je me suis retourné, quoi. J'ai regardé. Bah, non, d'abord, t'as essayé de tenir bon pour pas te gaufrer. Et c'est tu ça. Te retournes, tu vois effectivement que l'espèce de chose n'est plus là. Il y a une espèce d'énorme
nuage de fumée, de trucs, une espèce de pluie, truc noirâtre. Je retourne vers le groupe, voir ce qui reste. Quoi. En courant ou en faisant gaffe? Non, en faisant gaffe. Moi, je suis en train de faire James Bond, je ressors de mon trou, je me poussette un petit peu le costume. C'est ça, c'est quasi. En disant, faut pas m'énerver. Par contre, t'as plus de dynamite. Hein. Ouais, bah d'accord. T'as mis tes 4 bâtons, tu les as foutus dedans. Moi, je suis à moitié okay, sonné donc, au sol et j'essaye de m'enlever du chewing-gum. C'est ça, vous êtes recouvert de chewing-gum. Vous avez l'air d'être de pétrole, vous savez pas trop, c'est tout gluant. Y en a partout. Qu'est-ce que c'était que cette horreur? C'est de la merde. Oui, c'est du clou. Du cloug. Bon, je propose qu'on redescende pas tout de suite si vous y voyez pas d'autres. Ah bah, surtout que ça fait un barouf d'enfer. On va pas redescendre du tout, oui. Moi, je suis au sol et je lève une main en guise d'aide, hein, parce que là, je suis à côté de Thomas, je vais voir. Ok. Essaye de donc, lui prodiguer les premiers soins. Donc, tu peux faire un jet de. On avait dit, hein, c'était premiers soins. En fait, 1 plus 1 dé de 4, les premiers soins. Et si tu fais un jet de médecine, mais t'as pas quatre, ces premiers en fait, soins. Non, j'ai 1 plus 1 dé 4. C'est 1 plus 1 dé 4. Ah bon, 1 plus 1 dé 4. Attends, on avait dit. Mais... Quoi J'ai relu des 4, mais bon, comme tu veux, c'est toi qui dis. Non, je sais pas, non. De mémoire, c'est un dé de 3. Tu m'avais trouvé la règle. C'était un dé de 3. Hein? Un dé de 3. Pour les soins? Parce que ce qu'on avait fait la dernière fois. Non, c'est un dé 4. Ouais, mais un dé 3 de base. On va regarder. Un dé 3 de base plus un dé de 4. Oui, alors, attends. Attends, hop. Windedy Rule, Cover Faster, c'est le Natural Healing. Successful First Aid and Medicine. Ils increase by 1 des 4. Donc, soit quand tu fais un premier soin, c'est 1 plus 1 des 4. 1 plus 1 soit des 4, si tu fais un jet de médecine, c'est 3 plus 1 des 4. Donc là, tu lui fais gagner 1 plus 1 des 4. Bon, et en fait, le truc, ouais, voilà ce qu'on avait dit l'autre fois. Donc, jette un des 4. Pour pouvoir faire médecine, il faut avoir réussi déjà le first aid. Ouais, tu peux cramer de la chance. Ah ouais, il est mal en point. Que fais-tu? Et un des 4. Tu crames de la chance ou pas? Oui, j'ai cramé 8. Ok. 3 plus 1, bah, donc, je prends 4. Tu regagnes 4 points de vie, Thomas. Tu vois qu'il est complètement. Que Alexander est tremblant, on s'explique pourquoi, mais machin. Mais il réussit à te soigner, il se recompose pour te soigner. Clive. Merci. À la fois, tu sors. Qu'est-ce qui se passe, Isabella? Tu vois ta blessure aux jambes qui est plutôt une espèce d'énorme contusion en fait. Ouais, c'est pas tranchant, c'est comme si t'es tapé par une espèce de gigantesque batte de baseball en fait. Mais signale que j'ai mal. Bah, je demande à la cantonade qui est mal en point. Enfin, je le vois, j'imagine. Oui, ouais, tu vois. Bah, je relève la main. Isabella a l'air d'être mal en point aussi. Voilà, bon bah. Non, moi ça a l'air d'aller. Ça va? Toi, t'as juste à ton. Ton chapeau mais... noir. Bon. Tu fais un jet de premier soin, Jean-Fred. Je vais me triturer mon casque qui me fait. First aid. Voilà. Ouh! Ah, alors là, ça rend 4 points directs, en fait. Ouh! Tu vas gagner. C'est un miracle. C'est un critique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un jet critique dans ce truc-là? Je ne sais pas. J'ai pas vu les critiques, j'ai vu les résultats. C'est comment ça s'appelle particulier, ouais. Là. Enfin, le maître de jeu peut décider qu'au lieu d'un des 4, ce soit 4, la valeur maximale. Mais dans le cas du critique, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a un critique en soins? Et ben on va dire que tu gagnes le maximum, donc tu gagnes 5. Ok, allez. Okay. Donc Isabella, tu regagnes 5 points de vie. Jolies jambes. Merci bien. Thomas est parti faire un AFK pipi. Je termine par me soigner, moi. Tu te soignes
Une toi, d'accord. Donc, essaye de. Donc, ça prend un peu de temps, tout ça. Hein, tu ah machin, oui, hein. Mais. Je veux bien que tu me soignes. Vas-y. Moi aussi. Hein. Ah, bah, ah, d'accord. Je croyais que t'avais. Oui, t'as perdu quand même. Bon. Allez, oh, je te soigne. Clive. Zoup. Mais merde. Mais c'est pas possible. T'arrives à rien. Hein. Bon, c'est pas grave. Après... Oh, non, enfin. Et après, t'essayes de te soigner toi. Toi, ça marche. Oh là là. Ah, si, ça marche. Toi, tu te marches. Ça, ça marche bien. Donc, tu fais 1 plus 1 des 4. Donc, tu regagnes 2. Que faites-vous? Bah écoute, je rearrange un peu mes affaires qui ont dû bouger ouais, un peu dans tout ça. Ok. J'attrape mon 38 puisque il est en, dans ma botte. Ouais. 45 est foutu. Enfin, ouais, ton 45 est perdu. Hein. Tu peux l'enlever de ton inventaire. Je propose qu'on rentre au camp de base. Là, comme c'est pas permis, c'est chez moi ou pas? Non, je vous m'entendez vous... Ouais, tout le monde t'entend, mais je crois que c'est Alio qui a... Ah bon? On m'entend d'accord, pas bien ouais. Ouais, ça va mieux, là, ça y est. Ah, tu disais tout, hein. Je disais, on rentre en camp de base. Ah, vous rentrez au camp de base? Ah bah là... C'est la meilleure idée du monde, hein. Pour retomber bah... Néané avec les soldats boliviens. Mais ils étaient partis. Oui, mais enfin, peut-être entre-temps, ils vont revenir aussi. Ouais, mais ça, peut-être qu'ils vont, pas, vont peut-être chercher ce qui s'est passé avec l'explosion. Mais attendez, on continue notre route et on s'occupe pas de ce trou. Et c'est surtout qu'a priori, pas, hein. Qui c'est qui avait parlé à l'autochtone? C'était toi, Thomas. Hein. Ouais. T'as l'impression qu'en fait, le truc sur lequel vous êtes tombé, c'est donc un des 5 piliers du sommeil. Hein. Donc qui est pété. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Selon la légende, c'est-à-dire qu'il y en a 4 autres, quoi. Bah, il y en a peut-être 4 autres, mais peut-être que simplement aussi, peut-être que les piliers ou un des piliers, la structure ne soit plus là, peut-être que ça a impacté le temple. Ok. Tu vois? Ouais. Et, oui, enfin bref. Et vous croyez qu'il y en a d'autres de ces créatures dans le trou? Pas envie de savoir. Non, là, pas envie de savoir non plus. Si on a vu, ils ne sont pas sortis, hein. Mais si on continue notre route, on continue vers où? C'est ça. Donc moi, je me suis en train de me dire que si, avec un peu de chance, il y en avait qu'une, c'était le gardien. Et... Moi aussi, c'est ce que je pensais aussi. Mais parce que, là, que c'est... faites-vous? Bah, je regarde la carte. Mais je retourne pas là-dedans, moi. Je regarde la carte. Je vous laisse, prendre vos décisions pendant que je m'occupe de mon petit nez. J'arrive. Il y a la rivière, il y a le site de Off Battle, mais il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre comme information là. Donc on va y aller à tâtons. Si on a. Oui, avec la carte. La seule information, c'est cette espèce de truc griffonné qu'avait trouvé mademoiselle l'autre fois là. C'est ça. Il y a des secteurs qu'ils n'ont pas fait. Et si oui, il y a des secteurs griffonnés et d'autres non. Si on suppose que le rond, c'est. C'est la base, c'est le centre. C'est le puits, et qu'avec un peu de chance, on est bien aligné nord. Oui, on est aligné nord, vu que. En superposant les deux cartes, t'es aligné ouais, nord. Ouais. En suivant la rivière, t'es aligné nord. Bah, tu sais que si tu vas au nord-ouest, tu vas trouver des trucs où ils n'ont pas encore été. Après, moi, j'ai. C'est quoi une boussole? Mais oui. Ouais. Après, on risque toujours de tomber sur eux aussi. Non, ça, la vérité, c'est qu'on est en plein merdier. On a passé combien de temps à peu près dans ce puits, là, dans le trou? Entre la descente et le machin, je sais pas, une demi-heure. Ah ouais, d'accord. Même pas, ouais. Donc oui, on a encore quoi avancer. Vous avez encore la force d'avancer pour voir si on peut voir un secteur Hein, je fais une parenthèse pour tous là-dessus. Évidemment, c'est pas opération suicide à chaque fois. Hein. Pulp, ça veut pas dire suicide. Mais c'est vrai que par principe, le pitch du genre, c'est de combattre, c'est de machin, de faire des trucs un peu pif-paf-pouf, badaboum. C'est un peu Jean-Paul Belmondo. Hein. Bon, c'est vraiment le on n'est pas dans... je dirais ce que des fois, on aurait tendance à faire dans d'autres jeux, c'est... deux combats, attendez, je fais un repos long ou je fais un break, quoi. C'est un peu... vous voyez ce que je veux dire?
C'est clair ce que je dis ou pas? Oui. Bon, hein, c'est pas, je suis pas en train de faire les gros yeux, c'est juste le pitch du truc, c'est que c'est censé être punchy, quoi. C'est larger than life. C'est larger than life, exactement. C'est très hollywoodien, en fait. Ouais, c'est... Bon, qu'est-ce qu'on fait, tu, si t'as vu tous les films de la momie, d'Indiana Jones, c'est ça, quoi. C'est mecs, des trucs très peu, quoi. Les mecs, sont en train de faire, attendez, au secours. Enfin, il y a des au secours, hein. Mais c'est plutôt du... on y va, on a les dents serrées, puis on avance, quoi. Bah voilà, non, mais de toute façon, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est un peu reposé le temps que je les soigne, tout ça, ou que je les soigne pas. On a mangé un bout, on a discuté, et puis bah, on c'est reprend ça. La mission, quoi. Allez, on part. Bah, je vous propose de revenir sur la rivière, de longer la rivière, et d'inspecter le secteur qui se trouve à côté de la rivière, là. Ok. Qui a pas été fait. C'est une bonne idée. Donc tu prends la carte. Au moins, on aura un repère. Tu veux dire le secteur qui est tout au sud là, celui c'est où ça, il y a marqué 18 là un peu là. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord. Donc quand vous tu peux faire un jet éventuellement de tu sais à peu près de ça, tu as navigation pas du tout je présume. Non, j'ai pas navigation. Hein. J'ai 10%. Mais... Ok. Tu regardes la carte. Tu penses que c'est par là. Fais un jet de chance. Ok. Oui. Ah bah oui, c'est par là. Hein. Alors, tu sais pas si... Bah oui, c'est par là, mais en tout cas, il s'avère que tu tombes à un moment, vous tombez à un moment, en suivant le truc, sur une autre de ces structures, où cette fois-ci, par contre, la stèle est là, c'est-à-dire que le couvercle est intact. Ça ressemble à quoi ? Que faites-vous ? Il y a des gravures dessus, des dessins. Alors, est-ce qu'il y a des gravures dessus ? Oui, il y a des gravures dans une écriture qui ressemble plus ou moins à l'écriture que tu peux voir sur le document que vous aviez avec le. Tout à fait, des espèces de symboles un peu, on dirait du. C'est pas si... les signes du zodiaque un peu. C'est ça, des trucs, c'est pas trop. Ouais, tu disais à Bolas ? Il reste de la dynamite ou pas ? Oui. Oui, moi j'ai encore c'est, mon. T'ouvres et tu balances de la dynamite. Hein. Non mais c'est un couvercle de pierre qui a c'est été explosé par un obus, le premier. Donc j'imagine que là, avec non, notre... Non, je vais clarifier. Le premier, a priori, a été explosé par un tir d'obus, peut-être un mortier ou machin. Bon. Là, si vous foutez de la dynamite, vous pensez que ça fera sauter le truc. Enfin, à voir. Hein. On n'est pas vraiment là. Isabella, tu peux faire un jet d'idées. Au cas où. Hein. C'est peut-être une idée que vous avez eue en tête, mais... Oh, le magnifique jeu critique. Par contre, tu te dis que quand tu vas faire ça, il y aura probablement quelque chose de la même, du même genre dans le truc que vous aurez ouvert. Tu vois, le truc avec les tentacules, là, il y en a peut-être un à l'intérieur de celui que vous voulez ouvrir aussi. Bah oui, ça, je... Non, mais tu le verbalises. Ouais, d'accord. Donc, tu dis en gros, si on fait péter, on a intérêt à foutre le camp super vite, quoi. Parce que le machin, il va peut-être remonter. En fait, le truc que vous réalisez a priori, c'est que le truc qui vous est tombé dessus, c'est probablement échappé, entre guillemets, presque pour le... Parce que ils évoquaient peut-être un gardien ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il a fait son boulot de gardien de défendre l'ouverture du d'autres trucs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mm-hmm. Donc si vous pétez avec de la dynamite, ce qui est possible, il y a de fortes probabilités que ce truc-là, un truc du même calibre, ressorte. Après, vous pouvez décider de la faire péter, foutre les bâtons, essayer de faire fabriquer une espèce de mèche, et foutre le camp le plus vite possible dès que vous l'avez fait péter, quoi. Mais je voyais ça maintenant, ça servira à quoi ? Ouais, je vois pas l'intérêt, en fait, de la faire péter, en fait. Si c'est pour faire sortir un comment, alors, un autre gardien. Si. Enfin, ah bah peut-être que ça déclenche encore plus l'ouverture du temple, tu sais. Bah pas oui, moi c'est plus ça que je voyais, quoi. Enfin, c'est les gardiens du temple, donc. Ou alors sinon on peut essayer de localiser, déjà les localiser tous. Je sais pas. Ah, sachant qu'il y a les. Bah il y a les Wakiros, les Pachas. Les Picaros. Que faites-vous ? Oui. Très circonspect par rapport à ces théories. Ouais, allez, on va tout faire péter, putain. Ça te ressemble bien. Je prends de la dynamite dans mon sac. Ok. Opération dynamite. Opération dynamite. Attends, tu veux faire péter cette stèle ? Ouais.
Il faut préparer d'autres dynamites, je sais pas combien on a, mais il faut préparer d'autres dynamites hein, pour si jamais il ressort. Ouais, deux, ça devrait aller. On a eu de la chance la première fois, mais ça va pas durer, ça va pas être à chaque fois pareil. Hein. Donc tu veux, c'est quoi le plan alors? Alors le plan c'est d'ouvrir le couvercle de pierre, donc le faire péter, mais pas forcément de rentrer à l'intérieur, d'accord? Ok. Donc je vais prendre deux bâtons de dynamite. Ok. Je vais faire une mèche longue. Ouais. Et puis... T'as quelque chose en manipulation d'explosif ou quelque chose comme ça? Je regarde. Sinon, je pense pas. Non. Si tu vas faire comme dans Il était une fois la révolution. Mèche courte. Ouais, mèche courte. Donc, ok. Et ouais, le plan, une fois que tu t'as fait péter les trucs, c'est quoi? Vous restez à regarder? Vous foutez le camp? Mais je pense qu'ils vont, s'écarter de moi rapidement. Ouais. Hein. Ah bah, et aller ailleurs. Mais s'écarter ou foutre le camp? Moi, ce que je pense, c'est c'est en plein milieu de la forêt où il y a une clairière. On peut dire qu'il y a. Non, c'est pas en plein milieu. Il y a une espèce de clairière, mais il y a la végétation qui est là, en fait, qui a l'air d'être là depuis la 5-linguin, quoi. Donc c'est pas non plus, rien ne vous empêche de vous préparer un espèce de petit chemin à la machette, histoire de vous foutre vraiment à l'abri, tu vois, entre guillemets, de faire un espèce de fabriquer un abri qui vous permettrait de faire sauter, vous foutre à l'abri, le truc explose et vous vous planquez en attendant, quoi. C'est ça. Et on est bien d'accord que le but c'est d'ouvrir le couvercle et d'après de refoutre de la dynamite pour faire péter une bestiole s'il y en a une à l'intérieur. Mais comment tu vas faire péter la bestiole avec ta dynamite? Là, elle était en face de nous, j'ai réussi à lui mettre dans la bouche, mais si tu lances de la dynamite dans le trou, il n'y a aucune chance que ça la fasse péter. Hein. Le trou, il est vraiment gigantesque. Hein. Vous pensez qu'il faisait au moins 300-400 mètres de fond. Hein. Voilà. Donc quand la dynamite va tomber, elle va tomber quelque part. Est-ce que ça va avoir un impact sur la structure? T'en sais rien. Peut-être que la meilleure option, ça serait simplement de faire péter la dalle et de foutre le camp et ensuite essayer de trouver ce fameux temple. Puisqu'a priori, dans les motifs que vous avez vus, le temple, en fait, a l'air d'être enfoncé sous terre, en fait. Ah ouais. Moi, j'ai dit qu'on aurait dû descendre dans le premier trou, maintenant qu'on a tué le gardien. Ah, c'est peut-être une option aussi. Et... Oui, on s'est peut-être empressé un peu trop vite d'eux. C'est vrai. On aurait retourner et prendre le risque, et peut-être qu'il y aura des galeries souterraines, des choses comme ça. Ah. Ouais. Je suis d'accord. Oui, mais s'il n'est pas tout seul, ton gardien, s'il y a toute la famille... S'il n'est pas tout seul, mais... Ils n'ont pas parlé de plusieurs gardiens, mais juste d'un gardien. C'est bien certain que ce soit cette chose, le gardien. Après, faut prier pour que ce soit cette chose, le gardien, comme tu dis, c'est si bien... Alors, d'un autre côté, s'il y a un gardien, c'est que le gardien est lié au site qui a été détruit. Ok. Mm-hmm. Donc vous êtes peut-être débarrassé du gardien du site qui a été détruit, puisque vous en êtes sorti bon an mal an. Mais s'il y a un autre site qui est celui que vous voulez faire péter, peut-être qu'il y a un autre gardien qui va s'en sortir aussi. C'est pas juste pour le plaisir de faire sauter la stèle, quoi. Non, mais là, je suis d'accord. Sauter la stèle. Je vois pas trop l'intérêt de la faire sauter, mais bon. Moi, j'avais dans l'idée que ça pouvait libérer l'ouverture du fameux temple. Ah, mais ça, ça mais là, oui, n'empêche pas l'autre. Hein. Ça l'ouvre et c'est à condition que tu descendes dedans après. Pourquoi tu descendrais dedans? Et on pourrait pas repérer toutes les stèles et peut-être, je sais pas, avant de te faire péter. Enfin, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est pas idiot. On pourrait déjà faire un petit tour du propriétaire. Donc ça serait quoi le but? Ça serait d'essayer de retrouver l'autre structure. Là, ce qu'on peut faire effectivement, c'est marquer le nouveau couvercle de pierre qu'on vient de trouver, et puis continuer comme ça sur notre lancée pour repérer tout en fait, et les indiquer sur la carte. Voilà, tu passes sous un tunnel. Les symboles. Jean-Fred, t'es tout assuré, mon loulou. Nous n'évoquons strictement rien. Au secours, nous l'avons perdu. Voilà. Ah voilà. C'est fini la phrase. C'est ça. Il nettoyait son arme lorsque le coup est parti. Ah ouais, on l'a perdu. Je pense qu'il demandait si les signes sur la stèle, ça a évoqué quelque chose. Ah, une autre question. Si les signes sur la stèle évoquaient quelque chose,
Les signes sur lesquels ont l'air d'évoquer effectivement des stèles identiques, effectivement, et un espèce de temple qui ressemble à celui que vous avez vu. Mais il n'y a pas évidemment de gravure d'un espèce de gros truc tentaculaire. D'accord. En fait, t'as l'impression que c'est plutôt des symboles probablement de protection, tu vois, ou quelque chose comme ça, quoi. Vous m'entendez ? Ouais, 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 oui. Ouais. C'est pour ça, moi, je suis pas sûr que de libérer ces bestioles soit une bonne idée. Hein. Si on fait péter la stèle, on a bien vu qu'elle pouvait sortir du coup. Alors, peut-être que, suite à la conversation de Thomas que tu as eue avec... je ne sais plus comment il s'appelait, là, le... Gregorio. Voilà. Peut-être que, ce qui est déjà passé, a peut-être fait sortir le temple de lui-même, en fait. Peut-être que ça a déjà... je rappelle que les cinq structures sont là pour maintenir, a priori, ce que vous avez compris, pour maintenir le temple serein, quoi. Oui. Sauf que, on n'a aucune idée où se trouve le temple. Regarde ta carte. Si, il se trouve au milieu des cinq structures. Il se trouve probablement au milieu des cinq structures. Est-ce que notre ami Jean-Fred est de retour ? D'accord. A priori, non. Il a perdu Internet pour le moment. Ça veut dire que si on a deux structures, on est capable de... Vous pouvez extrapoler le truc derrière. On peut trouver le milieu, oui. C'est ça. Donc peut-être aller voir du côté du milieu du temple. Du milieu de la carte, tu veux dire. Du milieu de la carte, enfin, du milieu du temple. Oui, c'est ça, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ah, mais moi, je crois que le rond, c'était le cercle qu'on a découvert, où il y avait l'obus, en fait. Le diagramme... C'est ça, en fait, vous vous dites, il y a probablement 1, 2, 3, 4, 5, il y a probablement... on l'a vraiment complètement perdu, Fantasy Grand, il a perdu Internet, en fait. A priori, oui, vous avez... Il parlait des 5 piliers, donc vous vous dites qu'une fois que vous avez trouvé les deux, vous êtes capable de déduire le centre, ouais. Si on n'est pas trop con, on est capable de trouver le centre et d'y aller. D'accord. Bon, c'est une option qui me paraît tout à fait défendable. Oui. De toute façon, soit ça, soit on descend dans celui qui est ouvert, mais... On peut faire les deux, on peut déjà aller voir si... Ouais, ok, ouais. On va repérer aussi. Si on arrive à repérer le temple. Le centre du diagramme, quoi. Ok. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut faire un jet de navigation ? Quoique vous avez la boussole, le truc, on va dire que je vous donne... Qu'est-ce que je vais vous donner ? Je vous donne 2 dés bonus, parce que vous avez compris le truc et machin. 2 dés bonus, hein, c'est sur navigation ? Il y en a qu'un qui le fait ou on fait... Ouais, il y en a qu'un qui le fait. Ok, Je crois qu'on a tous pareil, de toute façon. Moi j'ai 10, alors, de toute façon. Moi aussi. Pas mieux. Allez, Abou, vas-y. Qui c'est qui a de la chance ? 2 dés bonus ? Et moi j'ai de la chance, je peux le cramer de la chance. Moi j'ai plus beaucoup de chance. Moi j'en ai pas. Ok. Tu peux cramer 9 points de chance. Et c'est fait. Ok, donc tu crames 9 points de chance. Et effectivement, on va attendre le retour de Jean-Fred. J'espère qu'il va pas, qu'il va revenir. Mais effectivement, vous trouvez une espèce de structure à un moment à la sortie d'une clairière. Cette structure ressemblant effectivement, comme à s'y méprendre, à une espèce de tête de vis inversée. Vous savez, c'est pas les vis. Je suis pas spécialiste en vis, mais c'est un truc qui est conique en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Ouais. Vous voyez une foreuse ? Ça est mieux parlant. Est-ce que vous voyez la tête d'une foreuse ? Oui. Ouais, et c'est ça, mais elle dans l'autre sens en fait. D'accord ? Ok. Donc ce truc. Est sorti de terre et est sorti au moins d'une bonne dizaine de mètres à un point tel que vous pouvez, quand vous la voyez, vous tombez dessus. C'est une vision grandiose. Hein. Vous voyez quelque chose où, a priori, vous pensez que vous pouvez même monter. Alors voilà. Attends, on va faire un petit break. Est-ce que vous pouvez lui faire un petit résumé des 5 dernières minutes ? J'ai Internet en PLS. Oui, c'est des choses qui arrivent malheureusement.
Quelqu'un veut lui faire un petit résumé de ce Alors, que vous avez fait? On a extrapolé, en fait, d'après la carte, où se trouverait, en fait, le temple. Et du coup, on a réussi à trouver où il se trouvait. Et on a trouvé une structure, en fait, avec un temple, avec une espèce de tête conique, en fait. À quel endroit de la carte, en fait, au niveau des symboles? Bah, au milieu, en fait. Ah, au milieu, d'accord. Parce que le puits, c'était pas le rond. En fait, le puits où on est sorti, c'était pas le rond. C'est ce qui m'a trompé, en fait. C'est que moi, je pensais que le rond de la carte était le site of battle, tu vois, qu'on mais avait aussi, sur. Aussi, je t'avoue que moi aussi, je croyais. Et ben bah, non. En bah, fait, oui, non. Oui. Ah, rendu avec de l'erreur. Ouais. Donc, du coup, on est à ce niveau-là, quoi. Et on n'a rien fait péter. Pour l'instant. Et vous n'avez pas fait sauter la deuxième structure? Non. Et donc, de fait, vous êtes parti donc vers le centre et vous êtes tombé sur cette fameuse structure qui ressemble, comme je disais aux autres Jean-Fred, une tête de foreuse inversée, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez une tête de foreuse, mais qui serait sortie de terre, en fait. Tu vois ? Et c'est gigantesque, hein, ça fait une dizaine de mètres de haut et t'as vraiment, vous avez l'impression, en regardant, que c'est la partie immergée de l'iceberg, hein. Est-ce qu'il y a une porte? Ah, c'est ça. Là, c'est une bonne question. Donc, c'est une entrée. Alors, est-ce que tu regardes? Ouais, t'as l'impression que la. T'as l'impression que la. Comment dire? Donc, imaginez un truc. Il y a des plantes dessus, des lianes. Enfin, tu vois que le truc est sorti, à soulever de la terre. Enfin, tu vois, il y en a partout. Tu commences à regarder un peu partout. Tu peux faire un jet de. Tu peux faire un jet de trouver objet caché. Tu vois, tu remarques en fait que sur la structure, déjà elle est faite dans une espèce de pierre qui a priori est dans le même genre de substance que la pierre qui avait fait les cylindres là, dans lesquels vous étiez descendu. Et tu repères, tu vois un endroit où tu dis effectivement pourrait y avoir une porte, mais cependant, ce qui est clair, c'est que cette porte n'a pas l'air d'être ouverte, ou il n'y a pas de poignée, en tout cas. Oh bah c'est fermé. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Hein. Bah ouais, ça doit être les puits. C'est ça qu'on était venu voir, en fait. En fait, peut-être que les puits, ou les sont des espèces de... ce qu'ils appellent les piliers. Ouais. Peut-être que c'est eux qui... permettre soit de faire sortir le truc davantage pour trouver une autre porte, soit avoir un impact sur l'ouverture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé récemment? Comment ça? Est-ce que le fait qu'on ait ouvert un premier, enfin qu'on, non, tu vas me dire, il est ouvert depuis longtemps. Moi, je pense qu'il doit y avoir un mécanisme dans chaque sous chaque cercle là qui doit faire en sorte que la porte elle s'ouvre, quoi. Tu penses que c'est pas vrai? Ah, je pense que c'est pas vrai. Non, tu ne penses que c'est pas vrai parce que tu te rends compte que quand vous êtes descendu, bon, effectivement, il n'y a pas de mécanisme machin. A priori, personne n'est jamais rentré là-dedans, en fait. Vous étiez les premiers à être rentrés, presque. Tu vois ce que je veux dire? Le couvercle a sauté. Oui. Ok. Le truc en est sorti, le machin tentaculaire, là. Oui. Mais a priori, personne, puisque c'est le gardien de ce truc-là. Hein, oui. Donc il a fait son job de gardien. Est-ce qu'il a... Vous n'avez pas vu de corps ou de trucs comme ça? Oui, mais il gardait... Coup, en fait, après, il s'est peut-être baladé dans la... Il gardait quelque chose. Il était dans la nature. Bah oui, mais personne n'est jamais revenu ici, en fait. Il garde l'ouverture des piliers, en fait. Non, il garde peut-être l'ouverture de son pilier. Oui, de son pilier. Enfin, oui. Donc ça veut dire que pour le moment, vous êtes dans une situation où, certes, le temple est sorti, possiblement par l'explosion du premier sceau, on va dire, et l'explosion d'un autre sceau ferait effectivement probablement libérer une créature, mais peut-être aurait un impact sur la structure du temple que vous avez devant vous, en fait. D'accord. Ouais. Ok. On n'a rien à perdre. Bah, c'est-à-dire que relâcher une de ces bêtes noires dans la nature, c'est pas particulièrement... Et puis, on n'a pas un stock de dynamite. On a un peu de dynamite, c'est pas le problème, mais on a eu de la chance, hein. Est-ce que la journée avance, est-ce que vous voulez quand même faire un espèce de campement ou vous reposer, essayer de dormir un peu ou... Il va falloir qu'on bivouaque un minimum, ouais. Oui, on va bivouaquer parce que... Voilà.
Ok. Ouais. Vous bivouaquez où? À l'endroit où il y a le temple? Bah. Ouais, il n'y a aucun risque de toute façon. Donc, enfin, je me dis. T'en sais rien? Voilà, je me dis qu'il n'y a aucun risque. Ok. À part les Boliviens, mais. Les Boliviens. Ok. Oui, bah après ce qu'on a vécu, les Boliviens, c'est bon. Par habitude, pas trop près non plus de cours d'eau ou de grosses mares ou autre, parce qu'il y a toujours des sales bêtes dedans. Ok. Donc vous faites un espèce de bivouac. Je présume que vous allumez pas de feu, de toute façon il fait une chaleur à crever de toute manière. Non, non, non. Ok, donc vous passez la nuit là, je présume. Oui. Ok, donc vous arrivez au 17 mars. Vous regagnez des points de vie. Ah. À hauteur, exact. Oui. Vous regagnez des points de vie de par. Deux par jour. Ouais. Alors, c'est ça, vous regagnez deux par jour. Et pour ceux qui ont Quick Healer, c'est trois. Ouais, c'est trois. Donc, vous regagnez deux points de vie. Ou trois. Et donc, pas la chance. Hein ? Et pas de chance. Non, la chance, non. C'est à la fin de la session, la chance. Bon, bah, c'est bon, on va arrêter pour ce soir. Je sais pas comment je me suis démerdé, j'ai réussi à me faire bouffer par des moustiques en Grande-Bretagne, c'est quand même balèze. Tout fout le con dans ce pays. T'as donc... aimé la chair de roast beef. Ah mais je, c'est un truc de ouf, quoi. J'ai bouffé par les moustiques en Grande-Bretagne, je sais pas comment je me suis démerdé. Donc du coup, quand vous vous réveillez le matin, quelle est la décision que vous prenez? Bah, de toute façon, même ici, on va pas avoir trop le choix que d'ouvrir les autres couvercles si on veut essayer de rentrer dans cette... Oui. Je suis d'accord avec Mister S. Donc vous feriez quoi? J'aimerais qu'on fasse le point, combien on a de dynamite. Voilà, ah, c'est ça. Voilà une bonne question. Vous avez tous, vous avez, sauf toi, Clive, oui. Vous avez chacun 4 bâtons. Donc vous avez 12 bâtons de dynamite. Vous pouvez vous les répartir à hauteur de 3 chacun, par exemple. Enfin, oui, c'est ça, à hauteur de 3 chacun. Moi, je les ai fait plutôt à Thomas, je t'ai payé tout mon stock, Thomas, moi, je me trimballe le matos qu'il y a. Ouais, ok, ok, bah, je... Il va falloir une charge pour faire sauter la stèle. Alors la question, parce que vous n'êtes pas non plus des spécialistes, peut-être Clive, toi peut-être un peu plus, faire péter la stèle, vous savez pas combien de charge il faut, quoi. Ben non. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas artificier. Moi, je me vous n'êtes pas vraiment artificier, donc peut-être en foutant 4 bâtons, ça devrait faire le coup. Mais est-ce que final c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Vous dites ça devrait être bon, mais est-ce que c'est pas gagné? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, le problème, c'est que si on fait ça, vu qu'il y a 5 piliers. Ouais, on a fait un calcul rapide fait que. Calcul rapide, on va être en manque de dynamite. Alors, surtout peut-être... si on doit les utiliser contre les espèces de gros monstres qu'on a vus là. Hein. Ah oui, et puis surtout, après la vraie question, c'est est-ce que vous avez besoin de faire sauter les 5 piliers? C'est une autre question. Donc, en gros, ce que je comprends... qu'on en fasse sauter un, et on voit ce qui se passe. C'est ça, c'est, on en ouais, fait sauter okay. un, on retourne au temple, on voit si ça a changé quelque chose, en fait. On va te reperdre, Jean-Fred. Ah bon? Je sais pas, c'est... Hop, c'était assuré tout d'un coup. Tu nous entends? Oui, très bien, moi très bien. Mais... Bon, okay. J'ai l'impression qu'il y a des coupures par moment. Ok, donc l'idée c'est que vous retourniez à la deuxième stèle pour la faire sauter. Ouais. Je pense qu'on va le reperdre. Ouais, on va le reperdre. On va reperdre le petit Jean-Fred. Ouais, bah, je pense qu'on. Ouais, ce qu'on... Bah oui, on fait ça et on y va. On fait ça. Okay. Par contre. Je vous dis, on en fait sauter qu'une et on se répartit le reste de la dynamite pour si jamais il y a quelque chose qui sort de là, quoi. Mais une, ça va suffire à faire péter le couvercle? C'est une question que tu poses à moi. Je pose à Clyde. Trois bâtons, je pense que c'est pas mal pour faire sauter le couvercle. Ouais. Ok. Je suis pas spécialiste non plus, mais bon, trois, c'est. Moi non plus. C'est pas mal. Je vous fais confiance, Clyde. Mais, ok. Et après, il en reste 6 bâtons. Ouais. Non, tu vas dépenser combien de bâtons là? Si on en dépense 3. 9. Ah, il en reste 9 après.
Vous en aviez trois, vous en aviez quatre chacun. Ouais. User entered your channel. Le revoili, le revoilà. Oh, c'était horrible. Désolé. Non, c'est pas de ta faute. On part sur l'idée de faire exploser le couvercle avec trois bâtons de dynamite. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ouais. Ok, donc vous retournez à la deuxième stèle. de bon matin, assez tôt, hein, a priori. En faisant gaffe, effectivement, à pas faire trop de bruit, hein, pour éviter les Boliviens. Avec un peu de chance, ça va les attirer. Donc, c'est quoi votre plan exactement? Donc, la stèle, bon, vous foutez les bâtons. Vous faites quoi? Vous foncez, vous planquez, vous barrez aussi sec? Alors, il y a trois personnes qui vont rester bien planquées pour éviter que ils prennent les dégâts, etc. de la pierre. Et puis, il y en a un qui va aller allumer la dynamite et qui va courir très rapidement les rejoindre. Ok, mais ma question est, une fois que l'explosion a eu lieu, oui. Que faites-vous? Je pense qu'on court au temple, on se dirige vers le temple. Et après, on va voir au temple. Ouais. D'accord, donc en gros, vous attendez pas de savoir s'il y a un truc qui sort, c'est non. Ma question. Et on espère que ça va attirer les Boliviens, les explosions. Ouais. Et qui vont se manger. Qui vont tomber sur le machin. D'accord. Ok. Malin. Le lynx. Ok, donc vous mettez les bâtons. Clive, sous ta supervision, t'as une molle idée du truc, mais... Oui, moi, j'ai eu de la chance au coup d'avoir un jour, je ne cache pas. Hein. C'est ça. Celui qui va placer les bâtons va nous faire un jet de... Il n'y a pas de manipulation explosive, donc ce sera un jet de... Je ne sais pas quoi. Mechanical repair. Non. Mais est-ce qu'il y a une compétence? Est-ce qu'il y a une compétence comme ça? Regardons un petit peu. Non, il n'y en a pas. Que nous dit le jeu? Il y a une compétence qui s'appelle démolition à 1%. Vous pouvez mettre les bâtons. Qui c'est qui met les bâtons? Écoute, moi je veux bien mettre les bâtons. Si quelqu'un me les confie, je les mets en essayant de. Je creuse un peu sous la stèle. Pour qu'elle se soit bien en pression sous la stèle. D'accord, donc tu vois la taille du truc, c'est assez balèze, donc tu te dis, bon, c'est le vrai machin. Peut-être simplement, il y a peut-être besoin simplement de fissurer la stèle, hein. Peut-être que ça va casser son intégrité, entre guillemets. Bah écoute, j'en sais rien, en tout cas, je crois me rappeler que pour que ça marche bien, il ne faut pas les poser dessus, quoi. Il faut... Ouais, c'est ça, ok. Il faut mettre un trou et les... Enfin, un trou, okay. Et les mettre dessous, quoi. Donc tu mets les bâtons. Vous allez vous piquer, ouais. Et toi tu fais, je veux pas te faire de jet, tu cavales machin, après vous avez préparé votre truc, votre petit chemin, ça pète, effectivement, vous avez l'impression qu'au départ, machin, et au bout d'un moment, en fait, vous entendez la stèle, en fait, tomber à l'intérieur du puits, en fait, d'accord. Donc elle s'effondre à l'intérieur, donc ça fait un bruit bizarrement assez fort, enfin, qui se perd, bon, bruit, il y a quand même des impacts un peu partout, il y a des pierres, et donc vous foutez le con si c'est que pour et courons au temple, temple. Ok, donc vous retournez à l'autre temple. Donc là, on va dire que vous êtes en il doit être 11h du matin, un truc dans ce goût là. Hein. Et effectivement, quand vous arrivez sur le temple, vous pouvez effectivement remarquer que certaines des lignes que toi, tu avais pu à peine deviner hier, Isabella, sont beaucoup plus visibles maintenant, en fait. Donc, ça a bien... donc, la structure a monté, en fait. Non, la structure a l'air de... Alors, le temple est peut-être monté un peu, mais surtout, tu as l'impression qu'en fait, le temple se désagrège, c'est-à-dire que la partie extérieure a l'air de se désagréger. Pas s'effondrer. Ben, hein. Mais j'en fais part à tout le monde et le problème c'est que est-ce qu'on va avoir assez de dynamite pour faire tous les tops, pour faire toutes les ouvertures? Alors, en fait, tu t'approches, vous voyez que tu remarques un endroit où tu avais regardé hier. Mm-hmm. Tu penses que là il y a une porte et tu as l'impression que tu as accès à un espèce de mécanisme. Ah. Eh ben, j'appelle tout le monde. Venez voir par ici. Il y a une espèce de mécanisme de. Il ressemble à quoi? Tu sais pas, tu penses que tu sais, possiblement crochetable, mais il va falloir que tu t'arraches, quoi.
Okay. Quelqu'un a Luke Smith ? Quoi, un levier ? C'est un truc qu'on tourne hein. Non, c'est comme une espèce de mécanisme de porte, en fait. Hein. D'accord, j'ai 1%. Pas mieux. Ou alors, nous arrivons donc à la troisième option qui est... Dynamite. Dynamite. Non, bah dynamite pas sur le temps, mais dynamite sur une stèle. Ouais, pour... Mais là, il va y avoir deux bestioles dans la nature, maintenant. Bah, on sait pas. Mais j'essaye naïvement d'appréhender ce mécanisme. Est-ce que ça a l'air d'être... très compliqué. Est-ce que ça peut s'ouvrir? Tu regardes. Tu peux faire. Tu sais pas. T'as le crochetage ou pas du tout? Oui, j'ai 1%. Ouais, donc en gros, t'as vu des mecs le faire, ça t'a jamais intéressé. Hein. T'as l'impression qu'ils mettent un truc dedans, puis ils attendent que faire un bruit. Ouais, c'est bien une serrure en tout cas, ça me semble. T'as l'impression que c'est une espèce de serrure, ouais. Bon, écoutez. Moi, je veux bien, mais si on fait sauter toutes les autres stèles... Moi, j'ai vu ça dans des films, des fois, ils arrivent à débloquer les portes avec... Ouais, c'est dans les films, ça, Mister S. Mais non, mais non. On a le droit de faire un jet si on a un ? Non. En comptant sur la chance, non. Je crois que non. Et puis en plus, faudrait au moins du matériel, quoi. Je vois qu'une chose, hein, c'est péter une. Vous pensez que pour le coup, si on fait péter une stèle de plus, la porte sera plus facile à ouvrir? Je me demande si on n'est pas en train de faire une grosse connerie, surtout, mais. Parce que voilà, moi, une de ces choses noires dans la nature, déjà, ça me. Bon. Mon seul réconfort, ça serait que les Boliviens, attirés par l'explosion, tombent dessus. Mais bon, si on en libère encore une autre, je pense que le bivouac va devenir un exercice de style très dangereux. Oui. Oui, là par contre, il risque d'y avoir des trucs, ouais. Sinon, de toute façon, on n'a pas 50 000 options. Hein. C'est soit ça, soit on retourne au camp. Enfin, de toute façon, là, je ne sais pas comment ouvrir. On fait péter la dynamite. On fait péter la serrure, la dynamite. On peut. Ah, c'est une technique. Tant qu'on est lancé, on peut tout faire péter la dynamite. Alors, tu fais un jet d'archéologie, Thomas. Après, il ne faut pas faire comme Howard Carter. Quoi. Je l'ai fait en... Avec 2D bonus. Ouais, 2D bonus. Pardon, je recommence. Ah oui, non, c'est la pornographie. comment j'ai triché ? 49. Enfin, là, tu fais un succès sans rien. Donc. Le problème vient pas de la... Tu penses que t'arriveras... Enfin, vu ce que t'envoies de la pierre et tout ça, tu penses que le problème viendra pas... Ça sera pas résolu en faisant péter la porte. Si jamais elle pète, tu penses que le problème sera résolu dans la logique de la construction et de leur symbolique, en faisant péter une stèle, peut-être que ça a un impact sur la structure. Ouais. Bon. Écoutez, alors à ce moment-là, il nous reste, on avait dit, on en avait 12 au départ, on en avait plus que 9. 9, ouais. Maintenant, on en a pris 3, on en a plus que 6. On fait péter une stèle de plus et on fait tout rapidement quoi, pour pas avoir à passer une nuit d'or. Quoi. Donc on y va tout de suite. Tout de suite, il faut qu'on localise une stèle. On n'a pas 50 000 choix. Hein. De toute façon, si on veut pouvoir rentrer dans ce temple, on n'a que ça à tenter. Hein. On n'arrivera pas à l'ouvrir autrement. Donc c'est pas la peine de tergiverser. On fait péter une stèle ou alors on s'en va. Non, on fait péter une stèle. Ouais. Péter une stèle. Donc l'idée, ça serait de faire péter une stèle, c'est ça ? Oui. Clive. Bien. Donc vous essayez de trouver la troisième stèle, en fait. Oui, par rapport à... Ouais. Par rapport à la carte, ouais. Ouais. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc vous trouvez... Jean-Fred, t'es là ? Je suis là. J'avais peur qu'on t'ait perdu. Non, je suis là. Ok, donc vous trouvez cette troisième stèle. Je présume que vous faites le même plan. Oui. Ok. On va dire
qu'il est 16h quand vous avez fait le troisième truc, avec à peu près la même conclusion, et vous retournez au niveau du temple. C'est ça. Oui. Ok. Vous remontez sur l'espèce de structure en colimaçon, là, d'accord ? Vous montez là-dessus, et effectivement, dans toute sa splendeur, vous remarquez qu'effectivement, la porte qui avait l'air d'être... qui bloquait le passage, en fait, a l'air littéralement de s'être désagrégé. En fait, vous voyez une espèce de petit tas de poussière, de poussière ou de sable, vous savez pas trop quoi, mais la porte est ouverte. Bien. Bon, il reste plus qu'à rentrer. Et voilà, donc, ouais. En priant pour que ce soit pas leur maison. En priant que ce soit pas la maison de qui ? Des gardiens qu'on a vus. Ah. De la famille Barba Papa. Ah, les gardiens de la famille Barba Papa. Oulahup, Barba Truc. Donc vous arrivez en fait à... Vous arrivez là-dedans, et je pense que le mieux, ça serait de faire un break, là, un espèce de petit cliffhanger, avant que vous descendiez dans le temple. Qu'en pensez-vous ? Oui ! Prêt ? Un peu. Ok, donc on va faire le jet de chance qui va bien. Isabella, toi la première. Cool. Vous faites votre jet de chance, oui. Et vous me dites... Je l'ai loupé. Ok. Donc ceux qui ont fail... Ouais, impeccable. Ouais. Au bout d'un moment, ça... 6%. aussi. Truc de merde. Loupé, ouais, ouais. Ok, vous avez juste raté. Donc vous jetez tous 2d10 plus 5. Et vous regagnez cette valeur en... chance. Moi, je rajoute un d10. Donc c'est 3d10 plus 5 pour moi. Attends... Pas mal, Alexander. Ah, 17 mal. Plus 5, ça fait 22 quand même. 17 et 5, 23. Ouais, mais j'en ai cramé un max aussi. J'ai récupéré avec justice. 22. Voilà. Bon, 7 ça. Plus 5, 12 pour Clive. Voilà, voilà. Donc, je fais un petit résumé. Vous avez donc fait sauter toutes les, 3 des 5 stèles, fuyant à chaque fois les possibles gardiens ou créatures noirâtres que vous pensez être à l'intérieur. On a croisé 0 Bolivien. Vous n'avez croisé 0 Bolivien, donc où sont les Boliviens ? C'est une question. Voilà. Mais où est donc passée la Bolivie ? Mais voilà, où est passée la Bolivie ? Et du coup, vous êtes réussi à rentrer, vous avez réussi à rentrer dans le temple, donc on fera la suite la semaine prochaine, à savoir l'exploration de ce temple et peut-être votre premier face-à-face avec une vraie momie. Tintin ! Je coupe.